Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir du coup qu'on se retrouve en live avec Gérald Bassler. Donc c'est une personne très importante dans le milieu de l'aquariophilie. Il va pouvoir se présenter, donc ichtyopathologue, tu me disais. Je pense qu'il va falloir que tu nous précises un petit peu tout ça pour les gens qui n'auraient pas la référence. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on est parti pour au moins une bonne heure et demie même, je pense, ensemble, le temps de discuter avec Gérald Bassler et qu'on puisse en apprendre plus sur la personne, sur ce qu'il a fait et sur tout ce que tu as fait, ouais, en général. Alors, est-ce que tu peux te Oui. présenter rapidement et puis nous expliquer ce que c'est ichtyopathologue d'abord? Un grand merci, Gabriel, pour l'invitation de te parler avec toi Avec plaisir. et avec tes visiteurs, tes amateurs aquariophilie. C'est pour ça que je fais mon travail et donner un peu de l'information supplémentaire pour avoir le plaisir d'aquariophilie et pour éviter les problèmes. Comme j'étais jeune, j'ai pris les cours, comment dire, j'étais à l'université biologiste à Belgique, en Anvers, et j'étais spécialisé dans le comportement des animaux. Et j'ai même pris des cours sur le comportement des poissons, sur l'échicridé du lac Tanganyika, parce que mon professeur, il est un amateur aquariophilie, et c'est pour ça que j'ai peu vu, mais c'est difficile à ce moment-là de trouver comment dire, un métier comme biologiste en Belgique. Mais par hasard, j'ai trouvé un advertissement. Il était un grossiste à Anvers, ça s'appelle Aquaria Antwerp. Ça existe encore comme magasin. Mais dans ce temps-là, c'était un grossiste qui cherche un biologiste pour sauver ses poissons parce qu'il a eu trop de mortalité, trop de problèmes. Mais honnêtement, dans mes études comme biologiste en Belgique, dans cette époque-là, il faut dire, c'était 1977. Oui, ça commence à Imagine. remonter un petit peu. Mais donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous faire la petite classique nom, prénom, âge? Parce que du coup, tu viens de nous donner une année, mais peut-être que les gens ont du mal à se représenter. Et du coup, et puis nous dire un petit peu comment était l'aquariophile à cette époque? Parce que tu as commencé à en parler, que tu as appris par un autre passionné. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait déjà des aquariums, enfin, il y avait déjà du partage de connaissances? Comment ça se passait et comment tu faisais un aquarium à l'époque? Oui, dans ce temps-là, oui, que j'étais jeune comme étudiant. Maintenant, je suis 68 ans. Alors, je suis de cette année-là. Je suis en retraite, mais je suis quand même filié à l'aquarium-industrie, industrie aquariophilie, comme consultant, comme docteur de poissons. Et dans cette époque-là, quand je suis commencé, la connaissance était très petite. La connaissance, c'est parole par parole. Et certainement dans les vieux clubs d'aquariophilie, où les gens se rencontrent, parlent de leurs problèmes, et il y a quand même dans cette époque-là des importations de poissons par quelques grossistes. Maintenant, il y a beaucoup. Mais dans cette époque-là, c'était très limité. Et le problème, la connaissance des maladies de poissons, c'est un mal étudié. Pourquoi? Il n'y a pas de sous pour ça. Il n'y était pas. Parce que, tu veux dire, la commerce aquariophilie a commencé après la guerre mondiale. Ça s'est vraiment lancé dedans. Et dans cette époque-là, quand je suis commencé à travailler comme jeune biologiste, c'est un grand importeur qui a 2000 aquariums dans cette époque-là. Il était très, très grand. Il a envoyé la plupart de ses poissons en France. Mais dans cette époque-là, ce sont les Français, les magasins aquariophilie, qui viennent chercher les poissons eux-mêmes et les sélecter eux-mêmes des aquariums. Je veux 200 cardinalis, je veux 10 poissons éléphants, je veux 50 nez rouges. Et ça, c'est le vrai commerce à cette époque-là, les magasins, les propriétaires eux-mêmes viennent chercher les poissons et les sélecter. Parce qu'il y a dizaines d'aquariums avec des cardinalis, mais il y a un aquarium qui est meilleur que les autres. Ouais, parce Et que le problème à l'époque, c'est que du coup, on n'apportait pas de soins dans ces enseignes-là, on n'aidait pas les poissons, donc en fait, on les récupérait, on les maintenait dans un aquarium, et ça allait pas plus loin. Et si ça mourait, ça mourait. oui. Le problème dans cette époque-là est mal connaissance. Et j'ai appris que ce grossiste-là fait son meilleur
Et à ce moment-là, j'ai appris, il faut utiliser un microscope. Sans Oui. microscope, on voit rien. Et après, à ce moment-là, j'ai pris des cours microscopie en Allemagne chez Dr. Gottfried Schubert. Et D'accord. c'était le premier professeur en Europe qui fait un peu. Il a écrit des livres qui sont publiés en français aussi, mais ce sont des livres au début de 1970. Alors, et j'étais chez lui, il m'a expliqué, Gerald, fais ça, et moi j'ai appris ça chaque jour, examiner des poissons, apprendre des métiers. J'ai pris des cours en Écosse, j'ai pris des cours en Venezuela, en Amérique. Alors j'ai toujours étudié chez des professeurs spécialisés, mais il faut savoir, Gabriel, dans cette époque-là, tout était fait par écrire des lettres. On n'a pas d'e-mail. Oui. C'était trop cher pour téléphoner. Oui, c'est vrai que On n'a pas ça devait être l'Internet. compliqué. Et comment C'est une communication par lettres. comment on communique du coup, comment on découvre ces chercheurs-là? Parce que tu as cherché à apprendre, mais ça devait être compliqué de trouver des professeurs qui étaient prêts à t'enseigner. Oui, c'est avoir des contacts et demander où est-ce qu'on peut trouver un autre passant qui peut être et recevoir des magazines sur l'ichtyologie, sur la pathologie qui n'existe pas, sauf que l'ichtyologie. Et ça passe ça, je reçois un nom d'un professeur, je vois son adresse et j'écris une lettre. Ah, Et c'était dans cette époque-là, c'était pas évident. ça doit être difficile. Mais le monde aquariophilie professionnel, c'était très limité. Alors, chacun connaît l'un l'autre. Oui. Même encore aujourd'hui, hein, c'est assez limité quand même. Après, on a l'accès plus simple. Mais même aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on veut se renseigner. Et justement, la démarche que tu as, toi, c'est que tu permets de rendre accessibles les choses qu'on ne connaît pas forcément. En tous les débutants, pour commencer à connaître l'aquariophilie, en tout cas, approfondir le domaine de l'aquariophilie sur le soin des poissons, sur la nourriture, etc. Ce que tu fais, c'est un travail remarquable. Et c'est pour ça, donc, aujourd'hui, que je voulais absolument t'inviter. Et donc, je te remercie encore une fois, même si je te remercie avant, d'être présent aujourd'hui et d'accepter de venir. Alors. Donc on a déjà pu voir une bonne partie de ta vie, donc comment tu as fait tes études. Comment tu as fait justement pour de faire tes études à avoir des financements pour aller plus loin et créer quelque chose que, comme tu le disais avant, tu n'avais pas de financement et donc on ne pouvait pas faire de recherche. Comment tu as fait justement toi pour trouver tes financements et faire de la recherche? Ah oui, c'est dans cette époque-là, quand j'ai travaillé à Anvers, chez un grossiste, un grand importeur, j'ai pris toutes mes vacances pour visiter des professeurs, pour prendre des cours en Amérique. J'ai pris des cours de 3 semaines en Venezuela avec le vétérinaire sur la pathologie des poissons. Là-bas, j'ai reçu mon certificat comme ichtyopathologue, qui était chez Dr. David Conroy. Et David Conroy, il était le plus grand professeur sur la pathologie des poissons dans cette D'accord. époque-là. Oui. Et c'était en 1979. Oui, ça commence Et à remonter, mais c'est fou heureusement, de. il était de l'Angleterre. Il parle l'anglais. Et parce que le cours est en espagnol. Le cours est en espagnol, mais il parle anglais. Et l'examen était aussi en espagnol. Ah, c'est du Mais sport. mes réponses, je peux répondre en anglais, Bon, ça va alors. heureusement. Ouais, ça va. Parce que oui, du coup, tu parles de langue, mais du coup, en voyageant autant aujourd'hui, tu parles quelle langue, en fait, finalement, couramment? Je parle, je suis néerlandais, je suis, non pas né, je suis flamand de Belgique. Alors je parle le néerlandais, le français, parce que j'ai pris à l'école, l'allemand, anglais, un peu d'espagnol et un peu portugais, brésilien. Ah, ouais, portugais, brésilien, ouais, c'est un petit peu Oui, différent. Mais, un peu ok. un mixte comme ça. Je parle un peu le portugnole. Mais d'accord, ok. Donc, oui, en fait, tu connais un nombre de langues, c'est fou. T'as un parcours vraiment super intéressant. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je voulais t'amener vers des choses où on voit pas souvent. Tu sais, on parle souvent de Dr. Bassler Biofish Food, donc on va en parler après, vous inquiétez pas. Mais on voit pas souvent parler du coup d'une grosse partie de ta vie quand même. C'est sur les maladies, pardon. Donc, moi, il y a un livre que je me suis procuré parce que pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu, j'ai fait une vidéo chez un éleveur de raies. Et en fait, cet éleveur-là était vétérinaire. Et il était vétérinaire aquariophile. Et il a appris énormément. Il m'a dit comment il avait appris. Parce que bah, du coup, en France, on a des professeurs d'aquariophilie enfin, qui peuvent enseigner
enfin, des profs vétérinaires d'aquariophilie, on a quasiment pas, ou pas à ma connaissance en tout cas. Et du coup, il m'a dit qu'il avait appris énormément par ce livre-là, justement, que j'ai à côté de moi, qui est écrit par toi, et qui référence un nombre de poissons, je ne sais pas combien, mais je dirais 300, 400? Non, il référence combien de maladies? Il a environ une centaine de maladies dedans, avec 1000 photos, Ah, 1000 photos, c'est mille ça. photos de poissons malades. Et c'est. Non, non, mais. Parce que... Et c'est, moi, ce que je voulais. C'est, du coup, t'as 1000 photos de poissons malades, et surtout, il y a des poissons malades, mais des poissons vraiment malades. C'est-à-dire que vous voyez vraiment la maladie. On n'est pas sur des simples photos où il y a un tout petit point blanc ou quoi. Non, c'est vraiment des stades avancés de maladie, et à chaque fois bien distincts, et avec à chaque fois des annotations, etc. Derrière, t'as aussi une partie, mais ça doit être colossal comme travail, je me rends pas compte, mais ça doit être vraiment très colossal, où tu as la partie de traitement. Donc comment on soigne ces poissons-là avec cette maladie-là, il y a un lexique pour retrouver toutes les maladies, etc. Il y a un nombre d'informations dans ce livre-là qui est absolument fou. Et du coup, je voulais savoir combien d'années ça va représenter de ta vie d'écrire un tel livre, et puis que tu puisses nous en dire plus, quoi. Ce que j'ai fait pour créer ce livre-là, j'ai collecté sur des fiches toutes les maladies que j'ai trouvées dans ma recherche que j'ai fait chaque jour. Chaque jour, j'ai examiné une dizaine, quinzaine de poissons, de maladies, mais j'ai tout collecté sur des fiches en papier. D'accord. J'ai écrit ce que j'ai trouvé, quel genre de poisson, et j'ai pris en même temps des photos et des vidéos. Et à ce moment, à certains moments, et moi, je trouve la plus grande partie importante dans ce livre-là, que j'ai même indiqué par certaines familles de poissons. Par exemple, les cichlidés sud-américains ou les cichlidés africains, leur maladie typique. Parce que certaines familles de poissons ont typiquement certaines maladies qui sont typiques pour eux, Oui. comme les guppies. Il attrape facilement la maladie de Columnaris. Les voiles de Chine, il attrape facilement les vers de peau, les vers de branchie. Voilà. Ah voilà, oui. Là, je voulais donc. Alors, normalement, quand tu parlais de vers de branchie, vers de peau, j'avais aussi vu une partie sur les discus. Je vous montre pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment le livre est structuré. Par partie. Et donc là, par exemple, on est vraiment sur la partie des voiles de Chine dont tu nous parlais juste avant. Juste ici, les voiles de Chine. Ah non, c'était les Orandas, pardon. Mais ça doit être dans le même côté. Où est-ce que c'était? J'aurais dû me mettre des notes. Ah voilà, ici. Donc ici, tu Voilà. as la maladie des trous. Donc c'est pas les. Oui, C'est pas. oui. Mais là, du coup, sur les discus, maladie des trous. Et t'as beaucoup, beaucoup de photos sur les discus avec les différentes maladies qu'on retrouve. Oui. Non, non, c'est incroyable comme bouquin. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton explication. Non, 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 non. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde m'a demandé, Gérard, j'ai besoin d'un livre où je peux regarder les photos, où je peux voir les maladies des poissons. Je ne veux pas un livre scientifique avec tous les détails de microscopie et tout ça, parce que j'ai pas le microscope avec moi, c'est pour les spécialistes. Et c'est à cause de ce demande-là, par rencontrer des aquariophiles, quand je fais des présentations dans des clubs ou en parlant avec des magasins aquariophiliques, ils m'ont demandé, j'ai besoin de ça et de ça. Alors j'ai dit, je vais créer un grand livre où les gens peuvent vérifier et comparer ce qu'ils voient dans leur aquarium, le genre de maladie, et comparé avec des photos. C'est simple, mais c'est mieux que rien. Oui, bah moi, tu vois, tu dis que c'est simple, mais franchement, je pense que c'est un livre que tout aquariophile devrait avoir parce que c'est vraiment très très bien décrit. En fait, vous avez vraiment la partie maladie, donc où vous avez la photo du poisson. Ensuite, vous regardez, vous avez le nom scientifique, enfin le nom scientifique, le nom vraiment spécifique de la maladie et toutes les informations dessus en allant un peu plus loin. Et même, t'es allé plus loin que ça parce que t'es carrément référencé, donc avec les traitements. Comment soigner ces maladies-là? Et une par une. Donc vous avez réellement ce qu'il faut faire avec le traitement et quel... pardon, j'ai perdu le mot. Programme de traitement on doit faire pour soigner son animal, enfin son poisson, et avec toutes les informations nécessaires sur la maladie. Et même du coup, à la limite, si on ne sait pas trop comment soigner le poisson malgré le traitement qui est donné et qu'on ne trouve pas le traitement, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet et vous retrouverez les informations sur la maladie. Donc franchement, ce livre-là, moi, si un conseil à tous les passionnés qui nous regardent en ce moment,
Franchement, si vous cherchez un livre pour en apprendre plus sur les maladies, même si c'est Discus ou quoi, même par rapport au Discus, en feuilletant donc ton livre là et en regardant les maladies, j'ai pu voir des symptômes que j'avais pas forcément vus explicitement ou des choses comme ça, surtout sur les Discus, et qui ton livre là a permis d'approfondir ce que je connaissais. Et pourtant, je pensais déjà connaître quand même pas mal de choses dans la maladie des Discus, mais j'en ai appris quand même beaucoup avec ce livre là. Et donc, franchement, à tous les passionnés qui cherchent quelque chose de complet, renseignez-vous sur ce livre-là. On peut le retrouver sur ton site, basler.com. Voilà, c'est Et là, oui. surtout, trompez-vous pas, c'est bien le nouveau guide des maladies des poissons, parce qu'il y en a deux. Donc, tu avais écrit d'abord un livre plus petit, qui était moins complet. Avant, c'était le guide des maladies qui était créé en 1980. Ouais, Et donc ça, là. c'est après, j'ai pris le nouveau qui était plus grand. Et donc, Avec des nouveaux maladies dedans. Aussi, des oui. maladies qui n'étaient pas. Je connais pas dans cette époque-là. Oui, c'est certain, bah Et oui. ce qui est important que j'ai mis dedans sont les traitements avec les détails, comment utiliser les traitements, Oui. le dosage exact. Parce que je vois certainement, Gabriel, maintenant sur Internet, sur social media, sur Facebook, des erreurs sur le traitement, des dosages incroyables que je dis, oh non, on va tuer les poissons. Oui. Et là-bas, j'ai écrit l'expérience, pas seulement de moi, mais aussi des gens que j'ai rencontrés qui travaillent avec des poissons des années. J'ai vérifié leur traitement et mes traitements dans cette époque-là et les mettre ensemble pour donner, c'est pas toujours exact, mais il y a quand même une différence entre 1 gramme et 10 grammes C'est par clair. 100 litres. Oui. Et parfois, les gens, la grande erreur, c'est que les gens donnent plutôt trop de médicaments, trop de D'accord. traitements, trop, et c'est connu, quand on donne un médicament en trop grande dose, ça donne le contraire de traitement, ça donne du stress et ça guérit pas les poissons, ça tue pas les parasites ou les bactéries. Et ça, c'est un peu expliqué derrière, vraiment suivre les dosages, s'il vous plaît. Et la durée de traitement, Oui, pas bien une sûr. semaine, 2 jours ou 1 jour. Oui, Ouais, je oui, suis oui. bien d'accord avec toi. Oui. Alors, du coup, bah, ton livre, donc, il a été publié en quelle année celui-ci, donc le nouveau guide. Le nouveau guide, c'est en 1980, le premier édition 1998. D'accord. Et donc là, c'est l'édition de la dernière édition qui est sortie, parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc ça doit être celui-ci, non? Ce serait en Celui-là était 2008-2006. 2008-2006, d'accord. 2006, Et oui. combien, du coup, bah, ça t'a pris plus de 20 ans en fait de créer, ça t'a pris combien d'années en fait de recherche pour pouvoir documenter toutes ces maladies? Ah, celui-là a pris 20 années. Ouais, 20 années. ça m'étonne pas. Pas Oui, encore. c'était un énorme travail. C'est quand même un travail que j'ai fait pour créer tous ensemble cette documentation pour disponible pour l'aquariophilie. Plutôt, c'était écrit pour les magasins aquariophilie, parce que c'est eux qui. Le magasin aquariophilie, les animaleries, c'est la chaîne, la partie de chaîne plus importante. Oui, certain. Parce que c'est eux qui doivent commander, vendre des poissons en bonne condition. Et Sinon, oui. l'aquariophilie a des problèmes de recevoir des poissons en bon état. Tu m'avais parlé un petit peu d'une erreur qu'on pouvait faire, donc une vidéo que tu allais bientôt sortir. D'ailleurs, la semaine prochaine, parce qu'on va reparler un petit peu de ça après, parce que du coup, tu m'en as parlé et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Tu as aussi ta chaîne YouTube où tu nous expliques pas mal de choses. Et du coup, tu avais une vidéo donc, que tu étais en train de préparer et qui parlait justement de quoi faire quand on recevait des poissons et sur le fait s'il fallait traiter ou non. Et tu t'avais Oui. commencé à m'expliquer quelque chose. Est-ce que tu pourrais me répéter ce que tu m'avais dit tout à l'heure? Ok, merci Gabriel pour cette question parce que c'est quelque chose qui m'a. Parce que les aquariophiles posent beaucoup de questions. Gérald, j'ai acheté un nouveau guppy ou un nouveau discus. Est-ce que je dois le traiter? Quel médicament je dois le donner? Parce qu'il peut attraper des vers de branchies ou des maladies de trous. Et j'explique cette vidéo de 8 à 9 minutes que je suis en train de faire. Il est aussi en anglais, en allemand et en néerlandais. Mais les écouteurs sont tous francophones, alors Oui, c'est en français. ici c'est en francophone, effectivement.
Et pour moi, c'est mon français belge. Alors, c'est un français très simple que je vais expliquer tout ça. Mais j'explique que normalement, quand tu achètes un poisson chez un magasin aquariophilie, il est en bon état. Sinon, tu ne l'achètes pas. Non. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne mange pas bien, qui nage pas bien, que le comportement n'est pas normal, qu'il y a des queues qui sont abîmées ou des nageoires abîmées, tu ne l'achètes pas. Et tu peux, je dis, tu peux que acheter des poissons, c'est des magasins aquariophiliques qui sont spécialisés. Et je veux dire, où il y a quelqu'un qui prend soin des poissons. Ça veut dire quand il reçoit ces poissons d'un grossiste, qu'il les met dans ses aquariums minimum pour 2, 3, 4 jours, minimum. Pourquoi? Pour voir comment ils se comportent, comment ils sont en train de manger la nourriture. Un bon poisson, il mange bien, il nage bien. Et il n'a pas de symptômes de maladie. Alors, quand tu achètes ce poisson-là, il ne faut pas le traiter. Ouais, Il surtout faut pas. pas le traiter. Il faut justement le survivre, comment on peut dire, suivre dans l'aquarium. Comment il comporte. Mais que je dis, explique dans mon vidéo aussi de YouTube, il faut préparer votre aquarium avant que tu reçoives de nouveaux poissons. Ça veut dire, le taux de nitrate ne peut pas être haut. Ça doit être normal. Je dis normal, 10, 20 mg, 30 mg, mais pas 100 Oui. PM. Et parfois, les gens, parce qu'il manque le changement d'eau, ou il manque les algues. Et un poisson qui arrive dans un aquarium avec un taux nitrate trop élevé, les nouveaux poissons attrapent des maladies parce que c'est une eau qui n'est pas convenable. Les poissons reçoivent du stress. Et je parle du stress. Le stress donne des problèmes. Et Oui, sinon, c'est sûr. juste, voilà, et c'est un peu un court vidéo que normalement, tu ne dois pas traiter, mais tu dois éviter le stress et donner un bon aliment, une bonne nourriture. À ce moment-là, tu peux mieux soigner, avoir moins de problèmes et moins de maladies. Et ce n'est pas un secret. C'est Oui. une raison que tu fais nous-mêmes comme humains. Oui. Nous-mêmes. Bien On sûr. fait attention à ce qu'on mange. On fait attention avec le stress. Et la même chose, c'est la même chose que je traduis pour les poissons. Voilà, c'est un peu ce vidéo-là, oui. Et moi, j'ai une question sous-jacente à tout ça. C'est que par exemple, par rapport aux discus, pardon, je viens de taper dans le micro, avec les discus, on va éviter on va faire la quarantaine pour éviter les chocs bactériens. Comment tu aurais, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui va apporter un nouveau discus dans son bac pour éviter les problèmes bactériens? Et quel, tu parles du choc bactérien, Ouais, expliquez-moi. alors, un porteur sain, donc le nouveau discus va être porteur sain de cette bactérie. Sauf que les poissons qu'il y a déjà dans son bac sont pas porteurs de cette bactérie, et donc le mélange bactérien des deux va provoquer un choc bactérien l'ancien poisson, ou inversement. Et tuer un des deux poissons. Comment on fait pour prévenir ça? Est-ce que par exemple, donc moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ce serait d'utiliser du sel pour éviter de tuer les bactéries du nouveau porteur et éviter la confrontation avec l'ancien poisson. Est-ce que tu as d'autres façons? Comment faire pour éviter ça au mieux? Ok. Au moment quand le poisson est en bonne santé, et il a un système immunitaire, c'est sa défense, avec qu'il peut accepter, il y a des bactéries sur le pot dans la branchie, il ne devient pas malade. Parce qu'il a une résistance, comme nous les humains, quand on est bien soigné, on reçoit des infections bactériennes. Quand est-ce qu'on reçoit nous-mêmes les infections bactériennes? Quand on a des lésions, Oui, c'est vrai. quand on a pneumonie à cause des accidents, à cause d'un virus ou une autre chose, mais on n'attrape pas, nous les humains, pas des infections bactériennes, sauf quand on ne fait pas attention avec la nourriture, par exemple. D'accord, On ok. a beaucoup de problèmes bactériens avec la nourriture, et je peux parler tout à l'heure avec ça, avec la nourriture vivante ou congelée, c'est un risque d'infection bactérienne. Mais normalement, Gabriel, quand tu reçois un discus qui vient d'une bonne origine, il peut avoir des bactéries sur son pot, ses branchies, mais ces bactéries
Ce ne sont pas des bactéries qui infectent les poissons. C'est D'accord. normal. D'accord. Sauf les poissons seront infectés quand leur système immunitaire est faible. D'accord. OK. Alors, ils ne peuvent pas se défendre. C'est comme chez nous, quand nous visitons l'Amazonie et tu viens à boire l'eau. Oui. Tu n'es pas préparé de le faire. Tu ne connais pas. Alors, tu n'as pas jamais eu le contact. Parce que tu le bois et tu le rentres à l'intérieur. Mais quand on prend soin et la prévention, on n'a pas ces problèmes-là. Et sur la peau des poissons, quand la poisson est malade, oui. Quand il rentre malade, il peut remettre la quantité de bactéries sur les autres poissons. Oui. Ça peut passer. C'est la même chose maintenant avec le COVID-19. Quand les gens sont malades, ils sont plus faciles à transmettre la maladie. Mais c'est la même chose avec les poissons. Alors, si tu as un poisson malade, le mettre en quarantaine, séparé, le sortir de l'aquarium et le mettre dans un bac séparé. Et c'est mieux qu'installer un poisson en bonne condition, qui mange bien, qui se comporte bien dans votre aquarium. Alors tu vas éviter les problèmes, honnêtement. Oui. D'accord, donc en fait, les problèmes bactériens, s'il y a du bar... Merci Yann, hein, d'ailleurs, je te vois, bonjour à toi, de Fanatic Discus. Tu parles de Bacterial Cross, donc du coup, Ah, c'est Yann, ça. je connais. Yann Oreille. Je sais que tu connais, et merci à toi Oui, d'être là, d'ailleurs. un spécialiste, oui. Et donc, du coup, d'accord, en fait, donc si on a des problèmes bactériens entre ces poissons, on en apportant un nouveau dans le bac, sur les anciens poissons, c'est-à-dire que les anciens poissons ont un système immunitaire trop faible, et donc il va falloir travailler sur ce système immunitaire pour le renforcer pour les futures rentrées de poissons. D'accord, donc ça, tu vois, c'était quelque chose où je pensais pas, je pensais que moi c'était vraiment le nouveau porteur, c'était une histoire de porteur sain et tout ça, mais en fait, du coup, donc tu m'apprends que non, hein, je faisais fausse route. Donc génial, et donc est-ce que toi tu préconiserais quand même sur toutes les entrées de poissons, s'il y a la possibilité d'avoir un aquarium de quarantaine, de toujours mettre ces poissons en quarantaine avant de les mettre dans son aquarium, sans les traiter, mais simplement pour les observer avant de les mettre dans son aquarium. C'est quand même quelque chose que tu préconiseras. Ok. Oui, si certains poissons d'une certaine valeur, comme des discus, et tu n'es pas certain l'origine de ces discus-là, et tu veux, comment dire, éviter des problèmes sérieux, et si tu as de la quarantaine, oui. Si tu as l'opportunité, mais pas tous les gens ont l'opportunité Oui, bien sûr, bien sûr. d'avoir un bac de quarantaine, ça. Et oui, à ce moment-là, il faut suivre ce poisson-là pendant 10 jours. Comment il mange, comment il se comporte. Parce que quand il y a une maladie avec lui, il va le montrer. Tu vas voir les symptômes dans les premières semaines quand il est chez toi dans la quarantaine. Mais Bien ça sûr. dépend, comme j'ai dit, de l'origine de poisson. Ouais, Quelle origine? Il veut voir. et Oui, il veut aujourd'hui. voir d'où il vient. Oui. Aujourd'hui, toi qui es vraiment dans le milieu bah, des fermes des milieux d'importation, donc des fermes d'importation et autres, est-ce que tu penses que le travail est bien fait, c'est-à-dire que tu trouves que les importateurs s'occupent bien des poissons, ils traitent bien comme il faut, etc. Ou est-ce que tu trouves qu'il y a encore des choses qui devraient améliorer dans certains cas, qu'il y a des endroits où c'est mal fait, des endroits favorisés pour le choix des poissons, etc. Et si tu m'as posé ces questions-là il y a 20 années, Ouais. j'aurais dit oui, il y a beaucoup de problèmes. Et maintenant, tu peux dire honnêtement, tous les gens qui sont des importeurs connaissent leur métier. D'accord, Ils ok. investissent dans la qualité, le soin, la quarantaine, sinon ils perdent de l'argent. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que dans les dernières 5 années, pour importer des poissons, la plupart des coûts de frais, c'est le frais de transport, Oui. pas le poisson. La Ouais, valeur de j'imagine. poisson, c'est un tiers de tous les frais de transport, le coût de transport. Alors, quand il perd un poisson, il perd tous les supplémentaires. Alors, un grossiste qui a une mauvaise qualité, il ne peut pas survivre. Il va sortir du marché dans quelques années, certainement. Ok. C'est maintenant pas possible. Pourquoi? Il y a beaucoup de bons importeurs, beaucoup de bons. Et Alors, donc. la concurrence était très énorme. Alors, à ce moment-là, la qualité doit être impeccable pour
pour être dans le marché et rester dans le marché. Oui. Et aujourd'hui, du coup, aussi, on a quelque chose qu'on relève. Donc, dans les animaleries, il y a des gens qui aujourd'hui sensibilisent beaucoup plus en France. Enfin, pour parler de la France, parce que je sais que dans d'autres pays, ça marche mieux. En Allemagne, en Belgique, on y prend plus soin. Mais il y a beaucoup d'animaleries en France où on a des problèmes sur les animaux, des poissons malades, des choses comme ça. Même si ça a tendance à changer et que ça évolue bien dans les années qui arrivent, quand on a dans une animalerie des poissons malades, tu penses donc que ça viendrait de l'animalerie qui s'occupe mal des animaux, plutôt que de l'importateur, en fait, où l'animalerie va se fournir. Ça peut être une combinaison. Ça D'accord. peut être. Je ne peux pas Ouais. directement. Malheureusement, je vois certainement dans certaines animaleries des problèmes sérieux, oui. Et ça dépend du responsable de la section d'aquariophilie. Ouais. Et ça dépend pas seulement du responsable, mais du propriétaire. Quand Oui. on veut investir dans quelqu'un qui connaît son métier. Oui, c'est clair, Hein? ça c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Mais. Tu connais Yann Auray, Yann Oui. Auray, spécialiste, visiter son magasin, voir les Ah! poissons là-bas. Tu Ah, veux bah voir c'est. la différence de qualité. Ah, c'est fou. Bah, j'en doute pas une seule seconde, à mon avis, en allant dans le magasin de Yann Ouarez, tout doit être nickel et bien propre. Ça, j'en doute pas une seule seconde. C'est quelqu'un qui connaît très bien son métier. D'ailleurs, Yann, on avait pu t'accueillir en live il y a un an maintenant, ça, que le temps passe vite. On avait pas mal parlé de Discus. Et non, Yann est vraiment très calé dans le Discus. Et c'est d'ailleurs par lui que j'ai énormément appris au début, par Fanatic Discus, donc son blog. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, en résumé, les recherches que tu as fait aujourd'hui, c'était vraiment pour aider les grossistes pour avoir moins de mortalité. T'as pu voir donc une évolution au niveau des qualités des traitements, de tout ça grâce à toi. Et donc en fait, quand t'es consultant, ce que tu fais réellement dans ton métier encore aujourd'hui, c'est que tu te déplaces dans les fermes, tu vas voir les problèmes et tu vas leur dire comment résoudre ces problèmes. Oui. D'accord. Il y a 6 années que j'ai eu ma serre aquatique moi-même D'accord. en Belgique. J'étais grossiste, importeur. J'ai vendu le poisson aux Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique. Et après, j'ai vendu ma société et je suis restant consultant pour des grossistes en Espagne, Brésil, Allemagne, différents. Je le visite chaque mois. Et là-bas, ils me présentent les problèmes courants qu'ils ont. Et mon but, c'est de donner de l'éducation au personnel qui travaille avec les poissons. De prendre le microscope et reconnaître la maladie et comment faire un diagnostic dans 10 minutes pour attraper et pour voir dans 10 minutes les maladies et les problèmes sur les poissons. Et ça, Comment oui. tu fais aujourd'hui pour sur un poisson malade. Oh, pardon, je tape encore dans le micro, c'est pas possible. Pour voir la maladie qu'un poisson a, donc tu peux le prélever le poisson sans le tuer. Comment tu fais pour faire au microscope? Pour voir au microscope. Oui. La première chose qu'on fait, que quand on voit un problème dans un aquarium, je demande l'histoire du poisson. Qu'est-ce qu'il est passé avec le poisson? Comment est l'aquarium? Ok. Comment est le changement d'eau, le filtre? Comment est le comportement du poisson? Ou est-ce qu'on voit déjà avec nos yeux des points blancs, par exemple? Ou la mycose, ou certains trucs, ou de l'hernia, des vers anquets, tout ça, des vers ancres. Certaines choses, je peux voir. Normalement, le plus facile, c'est de prendre un frottement de peau Ok. pour quand il y a des lésions à l'extérieur. Et ça, on peut examiner sur un microscope simple de 200 euros. Ouais. Un 200 euros microscope peut vous donner s'il y a des parasites ou des lésions bactériennes. Et on peut prendre pour des poissons grands, on peut prendre des frottements du branchie, des D'accord. branchies. Ok. On Et peut là, on faire, on a. peut apprendre, c'est pas facile au début, mais normalement, quand moi je travaille chez des grossistes, ce sont des bacs avec milliers de poissons. Je prends les poissons malades qui sont en train de mourir. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, c'est normal. Ils sont sacrifiés pour ses amis qui restent dans l'aquarium. C'est un sacrifice pour la bonne cause, c'est ce qu'il faut Alors, dire. je prends un diagnostic complet de la peau, des branchies, des nageoires, de l'intestin, des reins, de tous les organes. Ok. Et normalement, ça me donne une idée de ce qui se passe. Pas toujours, parce que nos yeux et nos microscopes sont quand même limités. Oui, c'est sûr, c'est certain. Il y a une Mais question quand qui. même,
Il y a On une peut façon. retrouver 90% des maladies à cette Ouais. manière-là. 90, c'est un grand pourcentage. Oui, c'est pas mal, c'est vraiment important. Oui. Il y a une question que je me pose, moi, c'est que du coup, on parle beaucoup de grossistes, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est vrai que quand on voit, pour prendre un exemple, Ruine Masse, par exemple, qui apporte énormément de poissons, il y a dans des serres comme ça, comme toi, tu as pu avoir aussi, la mortalité, elle est de combien de pourcents à peu près? Est-ce qu'on a une moyenne pour se rendre compte de combien de poissons on perd en faisant ce genre d'importation? Parce qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, bah, je pense, en Belgique aussi, tu es au courant, l'instauration de la liste positive. Pour défendre l'importation, pour stopper l'importation, stopper machin. Et aujourd'hui, réellement, toi, dans tes années de recherche, quelle amélioration t'as vu en termes de pourcentage? Combien de pourcents de mortalité il y avait avant? Aujourd'hui, comment on fait pour réduire ça? Enfin, on sait comment faire maintenant grâce à toi, mais combien de pourcents on a pu descendre? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons en perte ou pas? Et ça dépend parfois de l'origine. Ouais. Certainement, quand on voit la mortalité, quand les poissons arrivent de l'Afrique, ou ils arrivent du Brésil, ou ils arrivent du Singapour. Ce sont D'accord. trois grands. Le Singapour, c'est le plus grand au monde qui exporte les poissons. Là-bas, si on a une mortalité, les poissons qui sont en route pendant, comment dire, 48 heures Ouais. environ, ils sont emballés, transportés par avion, la mortalité est environ un pourcentage. Ok, donc c'est vraiment faible. C'est faible et c'est une autre chose, quand même aussi une sélection de qualité. Ça veut dire que les poissons faibles, ils meurent. Et les poissons, ben, parfois les gens disent, ben oui, c'est 10%, 10 poissons sur 1000, c'est beaucoup. Bah oui, mais non, mais c'est Oui, vrai. on peut dire c'est beaucoup, mais quand moi je visite la nature, c'est encore pire Ouais, là-bas. c'est sûr. Et surtout, il y a un truc, 1% de perte. Avant, on devait être largement au-dessus. Et surtout, là, on parle de pourcentage. On parle aussi des cardinalis. Un néon, un cardinalis, c'est des microfiches, des petits poissons comme ça, pour les faire survivre. C'est des quantités énormes et c'est normal qu'il y ait un peu de mortalité. C'est vraiment pas étonnant. À comparer que dans la nature, c'est vrai qu'on a une mortalité bien supérieure dans la nature et c'est évident. Mais oui, c'est. Tout dépend de la manière de soigner les poissons, c'est l'exporteur, comment il fait l'emballage, l'avion, qui n'a pas de retard de l'avion, Oui. qui n'est pas trop froid, parfois toutes des choses pas faciles parfois à contrôler. Mais on voit maintenant, notre métier a bien changé il y a 20 années, qu'on a 5 pourcentages de pertes, normal. Maintenant, D'accord. c'est peut-être un pourcentage, parce que chaque pourcentage, c'est de trop. Bah oui, c'est On, ça. le bénéfice de notre métier est perdu à Ouais. cause des pertes de poissons. Mais ça tous dépend aussi de la saison. Les poissons sauvages, par exemple, dans les saisons, quand il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'aliments, nourriture pour les poissons sauvages, ils sont plus faibles. À ce moment-là, la mortalité est plus haute. Oui, ouais. Dépend de la saison. Mais ça dépend aussi de l'exporteur. Quand il garde les poissons 2 jours ou 20 jours dans ses installations, mais ce sont ceux qui ont trop de pertes, trop de pourcentage de mortalité, qui arrêtent. Oui, bah oui, pas le choix. Il n'y a pas un importeur qui va acheter et continuer à acheter ce fournisseur-là. Et même les vétérinaires, ils contrôlent à l'aéroport les importations. S'il n'y a pas trop de mortalité dans les sachets. D'accord, ok. En Belgique, il y a de contrôle. Et quand ils voient qu'il y a trop de mortalité, ils disent, on peut plus recevoir de cet exporteur ce genre de poisson. Il y a trop de problèmes. Ouais, Et donc c'est bien. il y a un vrai. Ça Ouais, doit c'est être super contrôlé. important. Ouais, super important, mais Oui, c'est il y a un super vrai, important. il y a un vrai contrôle du coup, et c'est vrai que ça, moi je savais pas du tout qu'il y avait des contrôles comme ça, aussi stricts. Et en fait, c'est vrai que, en parlant du côté business, c'est évident, si la société s'occupe mal de ses animaux, ça va tout seul s'éteindre et finir par s'arrêter. Donc c'est vrai que finalement, en fait, c'est plutôt d'un côté économique, mais ils n'ont pas le choix de protéger les animaux. Je reviens, tu me laisses 2 petites secondes, je vais aller mettre ma batterie à charger parce que je ne l'ai pas fait. Et Ok, sinon, on n'aura plus de très caméra bien. après pour vous voir. À tout à l'heure, oui. Je suis de retour. C'est bon. J'ai une question parce qu'il y a Ben Laloutre, donc en commentaire du live, qui a posé une question super importante et intéressante. Parce que dans ma communauté, bon, on est beaucoup de jeunes, hein, comme moi, aux jeunes, et on n'a pas encore de métier, on ne sait pas vers où se tourner en études, etc.
Lui, il voulait savoir donc comment on fait pour devenir ichtyologiste et en quoi consiste réellement aujourd'hui le travail d'ichtyologiste, pardon. Et donc comment on fait pour y atteindre les études et à quoi ça correspond exactement. Ok, je suis très content d'attendre ces questions-là. D'abord, il faut prendre les études de biologie, de biologie. Et après, il faut, quand tu fais ton master, comment ça s'appelle en Master. France, le master, Ouais, c'est ça. il faut chercher une université où il y a des cours d'ichtyologie. Ça veut dire sur les poissons, le biologie, la physiologie, tout ça. Sur les poissons. Il y a quelques écoles spécialisées au monde et je pense le plus grand sur l'ichtyologie, c'est à l'Écosse. C'est l'université de Stirling. Ok, donc J'ai maintenant. aussi pris des cours, oui, j'ai aussi pris des cours là-bas. J'étais là-bas pour apprendre les maladies, mais c'est selon les maladies des truites et des saumons. Ouais, donc en fait, c'est pas vraiment l'aquariophilie qui est étudiée, mais c'est vraiment Oui, la. mais la maladie. Ouais. Et la manière de diagnostic, c'est la même Ouais, c'est chose. ça. Ce sont des poissons. Et il faut savoir, pour les saumons et les truites, il y a beaucoup de l'argent investi dedans. C'est 1000 fois plus que la aquariophilie, 1000 fois plus d'investissement et de valeur commerciale. Alors, pour prendre des cours de poissons ornementaux, ça c'est très limité. Donc, Malheureusement, limité. en France, pour ceux qui seraient intéressés, je sais qu'il y a une seule école qui le fait, c'est sur un an, et c'est après un bac plus 2, c'est-à-dire que vous faites c'est une licence professionnelle, pour détailler un peu. Je sais qu'il y a cette école-là, mais sinon, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres en France, donc par exemple, en parlant d'Écosse ou autre, renseignez-vous, et là, du coup, dans cette école en Écosse, si vous êtes prêt à vouloir faire ce métier, c'est vrai que ça peut être une très bonne voie, et il y a. Je pense que c'est quelque chose, il y a besoin d'avoir du monde dans ce domaine-là. Parce qu'en aquariophilie aujourd'hui, il y a encore plein de choses qu'on pourrait améliorer sur le traitement, sur éviter la mortalité. Parce que les poissons sont encore par beaucoup. Bah, tous les gens qui sont pas intéressés par l'aquariophilie jugent les poissons comme des petits êtres vivants qui n'ont pas d'importance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra absolument améliorer. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Moi, ce que je vous propose, donc Raphaël, Yann, Jérôme, c'est à la fin du live, donc quand on aura fini toutes les questions d'interview, on revienne sur ces questions-là pour répondre à toutes les questions. Comme ça, au moins, vous pourrez regarder vos questions. On reposera toutes ces questions à Gérald enfin, et comme ça, au moins, on pourra faire une petite FAQ. Alors, pour reprendre un petit peu le cours du live et qu'on puisse aller avancer un petit peu. Aujourd'hui, tu as ouvert une entreprise. Cette entreprise, elle s'appelle Basler, Docteur Basler. Ou c'est ça? Oui, c'est Basler. Docteur Basler, c'est quoi exactement le nom d'entreprise? Mon Basler Biofish. D'accord, ok. Donc Basler Biofish, et il y a donc les livres qui sont distribués. Donc tes propres livres, qui sont juste des bouquins. Bon, bref, on en a parlé avant, mais Et c'était juste après. aussi le dernier en eau douce Ah et le oui! dernier en poisson marin. Ouais, ça je l'ai pas. Les poissons marins, c'est vrai que c'est pas le domaine que je maîtrise, mais oui, il y a. Ce sont les derniers qui sont plus petits pour les gens. Ça dépend quel sou on veut dépenser pour des Oui, livres, ouais, oui. c'est vrai qu'il est un peu coûteux ce livre. Mais franchement, pour tous les gens là qui ont un minimum des fiches rooms ou ce genre de choses là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui me suivent, qui ont des fiches rooms complètes et tout, lésinez pas sur les sous, ça coûte 70 euros, je crois, un petit peu plus que ça celui-là. Mais par contre, c'est une bible pour les maladies. Et franchement, foncez. Donc si je peux vraiment vous le conseiller, c'est un livre, j'en ai vu pas mal des livres, et il n'y a pas que moi qui le conseille, il y en a beaucoup qui l'ont en fait, et c'est un très très bon livre, excellent livre. Et t'as aussi donc pour les poissons marins, et les plus petits livres aussi. Voilà, Alors, parce qu'il y a ouais, Biofish. Basler Biofish du coup, donc l'entreprise, tu fais vivre aujourd'hui ta famille, t'as beaucoup d'employés. Et en fait, c'est vrai que pour vous expliquer un petit peu moi comment ça se passe, pour te contacter, je t'ai d'abord envoyé un mail, c'est Joren, je sais pas qui est pour toi Joren, mais Joren, qui signe Joren Basler, donc ça doit être quelqu'un de ta famille, qui m'a répondu et avec qui j'ai discuté par mail. Et puis après, j'ai eu aussi d'autres personnes qui, pour le livre, c'était quelqu'un d'autre, etc. Et donc en fait, je suppose que tu as vraiment employé toute ta famille derrière, et Oui. c'est devenu une entreprise familiale, quoi. Oui. Moi, je fais la recherche, je suis le biologiste à la société et mon épouse, c'est eux qui vendent le livre, qui donnent les factures. C'est Angélique que tu as contact avec, Oui. elle est avec moi depuis que j'ai commencé ma société au début. On était ensemble il y a 26 années au Aquarium Glaser en D'accord. Allemagne. Ok. Ah oui, On donc a ça fait un petit travaillé peu. là.
On a travaillé là-bas ensemble 4 années chez Glaser et j'ai rencontré mon épouse à Runemans Aquarium. D'accord, Windmass. Donc ça, c'était pour se situer dans le temps, t'as fait d'abord Glaser, puis ensuite Windmass. T'as fait comment? J'ai Aquarium Antwerp, après j'ai fait Chicago 4 années. D'accord. J'ai travaillé dans un grossiste et dans le Chet Aquarium. Après j'étais chez Runemans Aquarium 6 années et après 4 années à Glaser. Et après ma société à Belgique. Alors, D'accord. et maintenant, mes enfants, mes fils, Joren, tu as eu contact avec lui. Il fait un peu les internets, toutes les choses, contact. Mon fils Berend, qui est aussi un biologiste, D'accord. il a pris le microscopie chez moi. Il fait aussi microscopie. Il fait les commandes, le contact, tout ça, la biologie un peu. Et alors, on est avec 4. Et ce sont mes 2 fils qui préparent le BioFish Foot. Chez nous en D'accord. Belgique, OK. on fait la fabrication de notre gamme Dr. Basler BioFish Foot. D'accord, donc là justement tu viens de commencer à parler du point intéressant, enfin du point où je voulais en venir dans cette interview, c'est tout simplement Dr. Basler Biofish Food, et là il y a beaucoup de choses à voir, et d'ailleurs tu viens de commencer à parler d'un truc super intéressant, c'est que je ne savais pas que du coup c'était tes enfants qui préparaient, donc étaient chargés de la préparation de la nourriture, donc c'est, Oui. d'accord, ça je savais pas du tout, et en fait du coup c'est que vous avez vos propres locaux pour la préparation en fait, hein, vos, ok, et c'est fait de façon artisanale, c'est fait de quelle façon en fait? Et c'est une façon très simple parce que on a une société qui fabrique pour nous le granulé Ok. dans les formules qu'on a besoin. Et chez nous, en Belgique, on ajoute le supplément, les phytobiotiques, on peut dire des probiotiques, tous les suppléments naturels, on enrobe sur les granulés pour donner une valeur nutritionnelle supplémentaire que les autres gammes Ok. d'aliments sur le Ben, marché. on va en reparler juste après, parce que Oui. ça, c'est super important ce que tu viens de nous dire. Donc, on va vraiment en reparler. Mais on va d'abord voir un petit peu le passé de Biofish Food, comment ça s'est élaboré, la recette, etc. Parce qu'après, je t'avais parlé donc d'une photo que tu as d'ailleurs juste à côté de toi, normalement, pour qu'on puisse la commenter un peu. Donc, vous verrez, je vous montre ça quand même avant. Mais vous avez donc le. Alors, attendez, j'essaie de vous le mettre parce que la lumière est en plein dessus. Est-ce qu'on Oui, voit. la Alors. chlorella. Ouais, là c'est le chlorella, ouais. Donc c'est ce que je donne à mes discus. Ah, mais. Bon, je suis désolé, on voit très mal. Peut-être que si je me mets là. Bon, vous voyez mieux là. Donc ça, c'est un pot Basler. Donc c'est du 170 grammes en taille XL. Donc c'est une des variétés. Donc parce qu'il y a plein de gammes différentes. Donc une des gammes qui est distribuée. Donc là, c'est la chlorella. Tu nous expliqueras après pourquoi il y a plein de gammes différentes et ce que font toutes ces gammes. Pour parler un petit peu de ces produits-là, donc ces pots-là sont une très haute gamme de nourriture. Et vous allez comprendre pourquoi c'est de la haut de gamme, parce que Basler va nous en parler. Et on va reparler sur. On va revoir ça donc juste après. Vous avez vu le pot. Vous verrez les granulés juste après avec des photos macro qui ont été prises par Loris Aquatique. Et du coup, donc moi, ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est depuis quand tu as commencé à réfléchir à cette nourriture. Et puis pourquoi tu as voulu faire cette nourriture. Merci pour la question parce que parfois les gens ne posent pas cette question-là. Ils demandent toujours où est-ce que je peux procurer la nourriture. On verra ça après. Mais ça, d'abord, je préfère qu'on ait le suivi de la nourriture, savoir ce que Non. c'est, pourquoi, quelle volonté t'as mis dans cette nourriture, parce que comme tu l'as dit, c'est une nourriture très haut de gamme, enfin très haut de gamme dans la composition. Donc, ouais, bref, voyons d'abord depuis quand et comment et pourquoi t'as choisi de. Il y a dans le temps que je suis commencé ma société à moi-même, j'ai reçu les poissons dans ma serre aquatique en Belgique. Excuse-moi, quelle année la séance en gros? C'est en 1995. Ok, donc après l'écriture des livres, t'as fait ta serre. Dans ce temps-là, je suis en train d'écrire des Ok. livres, tout ça. C'est après mon travail chez Aquarium Glaser en D'accord. Allemagne. Je suis venu en Belgique. Et j'ai créé ma société avec 1000 aquariums Ok. d'eau douce. J'ai pas fait les poissons marins. J'ai fait que l'eau douce à ce moment-là. Et dans cette époque-là, je reçois les poissons et je veux les vendre le plus vite que possible. Tu sais, parce que Forcément. chaque jour, ça me coûte. Chaque jour, 1000 aquariums pleins de poissons, ça me coûte beaucoup d'énergie, de chauffage, de l'eau.
Alors, j'ai cherché une variété de nourriture qui peut soigner les poissons. Ça veut dire un médicament en même temps pour traiter les maladies. J'ai fait des protocoles en quarantaine parce que j'ai mis les poissons tous en quarantaine, parfois 3 jours, parfois 15 jours. Ça dépend l'origine, la variété de poisson. Et chaque variété a un certain protocole. Mais le problème se pose avec un traitement, on tue les bactéries ou les parasites, ou les élimine. Mais ça ne soigne pas les poissons. Soigner le poisson, ça veut dire quand les poissons sont abîmés, quand ils D'accord. ont des taches, pourriture de nageoire, ils doivent se guérir eux-mêmes. Ce n'est pas le médicament. Et on ne peut que faire ça avec une bonne aliment, une bonne nourriture. C'est la nourriture qui leur donne l'opportunité de se guérir plus vite que 15 jours. Ça veut dire dans quelques jours. Et j'ai cherché une variété de protéines, minéraux, vitamines et tous des compléments, éléments traces qui sont importants pour leur santé, qu'ils se soignent eux-mêmes pour être prêts à être vendus. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai essayé des grands essais avec des erreurs, avec des bêtises. C'est le risque qu'on apprend, mais à ce moment, j'ai trouvé une formule qui était impeccable pour 99% de mes poissons. Une D'accord. granulée, pas des paillettes, pas des flacons, parce que ça flotte à la surface. Ça, on doit chauffer à une hauteur 120 degrés. Alors, les granulés sont chauffés à 90 degrés ou 100 degrés. C'est une différence de qualité pour les protéines. Ok. Et la plupart des protéines qui sont dans nos aliments sont des protéines des poissons marins. D'accord. Parce que ce sont les meilleurs digestifs pour les poissons. Alors, avec notre gamme BioFish Food, on n'a presque pas des excréments ou très limités. Ok. Alors, il y a moins de pollution parce que tout est incorporé par la poisson. Ok. Donc Et en après, voilà, ça c'est le but, commencer comme ça. Oui. Fait, l'objectif c'était de trouver une nourriture qui était assimilée en grande majorité pour éviter la pollution et en même temps d'avoir une bonne valeur nutritive pour la réparation corporelle de nos animaux. C'est ça? C'est D'accord. ça. Et C'est donc, ça. t'as commencé à y réfléchir du coup en 1995, c'est ça? À cette nourriture-là? Et les premiers essais, tu les as commencés directement. Comment t'as fait du coup pour réussir à produire ta propre nourriture? Et comment tu as fait en fait pour te renseigner? Parce que tu avais des informations sur les livres, mais tu t'es entouré de gens qui étaient dans le domaine. Ouais, comment t'as fait plutôt, excuse-moi. Oui, j'ai travaillé avec l'aquaculture Ok. parce que la gamme de nourriture, la plupart est produite pour l'aquaculture. Et j'ai parlé avec des spécialistes là-bas comment ils préparent l'aquaculture, les malades. Et j'ai trouvé des bonnes informations comment pratiquer l'alimentation pour les poissons, comment appliquer. Et c'est quelque chose qui est différent par espèce. Mais il y a un, comment dire, dans la nature que j'ai trouvé, en même temps, je suis commencé à reprendre mes études. Ce sont les études, comment nourrir les poissons en aquariophilie, mais l'aquaculture, qu'est-ce qu'ils font avec l'aliment? Là-bas, c'est la recherche. Ils ont fait des recherches des années avant. Et ce sont leur système que j'ai appliqué pour les poissons ornementaux. Parce que pour les poissons ornementaux, ils n'étaient pas beaucoup connus. Sauf, on a fabriqué des aliments pour l'aquariophilie qui donnent du plaisir aux aquariophiles. Et ce sont les flocons. Oui. Les flocons, c'était le premier. Pas du granulé. Les granulés, c'était Tetra et Sera et Tropicals. Ils ont tous des bons flocons, c'est pas mauvais. Mais à la fin, pour moi comme grossiste, et à la fin, pour soigner mes poissons, j'ai eu besoin de granulés. Parce que granule contient plus de valeur nutritionnelle. Parce que Plus. comme tu le disais, la valeur nutritive des protéines va diminuer en fonction de la chaleur. Donc en fait Aussi. la flottaison du granulé va être liée à la température de cuisson
Et donc, en même temps, si le granulé coule vite, c'est-à-dire qu'il a cuit plus longtemps et donc il y a plus de valeur nutritive au niveau des protéines. Et si le granulé ou les flocons flottent, c'est à cause de la température de cuisson. Et donc ça, c'est super intéressant de savoir. Donc si un granulé coule rapidement, c'est un granulé qui a cuit moins longtemps et donc qui a plus de valeur nutritive. C'est ça? Oui, ouais, et on a aussi différents granules. Tu as le taille XL, je l'ai Oui, vu pour oui. tes discus. Pourquoi les discus ne mangent pas à la surface? Les discus aiment à manger au milieu ou au fond de l'aquarium. Alors ça doit descendre. Et c'est pour ça qu'on a créé pour chaque variété de poisson un genre de granule de chaque taille de bouche. Un petit poisson, un petit granule. Un grand poisson, un granule qui est plus grand. Et c'est tous. En parlant avec l'aquaculture, quand ils font l'élevage des truites ou des saumons, comment ils travaillent? J'ai visité eux, qu'est-ce que tu fais et comment je peux appliquer leurs connaissances pour notre métier aquariophilie. Et après, je suis commencé à ajouter des nutricaments, ça veut dire des produits naturels pour le bénéfice du bien-être des poissons pour le bénéfice de la santé des poissons. Ce n'est pas des médicaments, mais ce sont des aides, des produits naturels comme de l'ail, Ouais. l'ail, garlic. Ouais, voilà, Ça, c'est ça. c'est une aide nutritive très importante pour les poissons. Oui. Parce que tu soulèves aussi hein, quelque chose. Quand tu parles de compléter, d'avoir une alimentation complète, donc tu nous l'as dit juste avant, il y a quelque chose où aujourd'hui on aime bien avoir plein de types de nourriture à donner. Mais toi, vu que tu t'es rapproché de l'aquaculture pour le faire, j'ai vu, en entendant quelque part d'autre, que tu avais dit que justement vous étiez entouré, enfin vous aviez reproduit ce qu'on faisait en aquaculture. Mais parce qu'en aquaculture, ce qu'ils voulaient, c'était un aliment complet, qu'ils aient juste à donner, et qu'on n'ait pas à donner plein de types différents. Et donc en fait, vous êtes inspiré de ce principe-là, en donnant un Voilà. granulé avec tout ce Oui. qu'il faut, Oui. et assez large, enfin avec un grand panel de compléments alimentaires, quoi. Oui. Quand tu visites l'aquaculture, ils ne donnent pas le ver de vase. Oui. Pas le cœur de bœuf. Rien du tout de ça. Parce que ça pollue l'eau et c'est une valeur nutritive moins bien que les granulés. Parce que le granulé, c'est un complet pour. Pour donner de valeur de poisson. Et ça, c'est le but du granulé. Ça ne veut pas dire que le congelé ou la nourriture vivante est mauvais. Non. Je dis toujours, et j'ai fait des petites vidéos de ce genre-là, certainement, tu peux continuer à donner du ver de vache ou de l'artémia ou d'autres aliments congelés ou vivants. Mais je dis toujours, donner environ 80 ou 90% granulés, c'est assez. Et à complémenter un peu avec un autre aliment qui est un peu différent, ça peut être aussi des flocons, Oui. ou l'artémia, ou le cyclops, il y a beaucoup d'autres choses. Sauf le risque qu'on a. J'ai fait des YouTube vidéos sur ça, et beaucoup d'études étaient faites pour l'aquaculture, que donner le congelé, c'est un risque d'introduire des pathogènes. Parce que les bactéries, qui sont le plus grand risque dans les poissons tropicaux, parce que les eaux très chaudes, c'est très favorable pour les bactéries. La pollution des bactéries, ça crée plus vite dans les eaux tropicaux. Et le congelé ne tue pas les bactéries. Et si l'origine du ver de vache ou de l'artémia vient des sources pollué avec des bactéries, tu donnes ça aux poissons. Et c'est pour ça beaucoup de poissons qui reçoivent que le congelé, ils ont beaucoup de problèmes digestifs. Ils ont des excréments très longs, très blanchâtres. Ils attrapent les parasites Hexamitas spirolucleus, des infections bactériennes. Et quand je reçois des questions des gens qui ont des problèmes avec leurs poissons, la plupart des problèmes viennent de ceux qui donnent que les aliments congelés ou vivants. Que c'est D'accord. ça. Ok. Parce que c'est une. La meilleure chose, c'est d'éviter ces risques-là. Mais c'est très cher de préparer une nourriture ver de vache sans bactéries. Oui, bah oui, c'est ça. C'est très difficile.
D'accord, ok, donc je comprends l'intérêt du coup de vouloir passer sur de la nourriture à granulés plutôt que de la nourriture congelée. Parce que personnellement, moi je complète donc l'alimentation de mes discus en plus des granulés à la nourriture congelée avec de la pâtée maison. Mais Oui, oui, ça m'est oui. déjà arrivé d'avoir des problèmes de flagelles et autres. Et en fait, du coup, ça pourrait venir justement du fait que je donne de la nourriture congelée, des moules que je peux récupérer, des crevettes que je peux récupérer pour faire cette pâtée-là qui serait potentiellement pathogène ou plutôt responsable de la transmission. Tu peux éviter la pathogénité des microbes quand tu le prépares, la nourriture, Ok. en chauffant. C'est pour ça que nous, humains, on prépare notre dîner, notre repas. On ne mange pas la viande de la congelée. On la prépare, on la chauffe. Sinon, on prend le risque. C'est pour Et... ça, en Amazonie, les Indiens, ils ont beaucoup de problèmes, des infections de vers intestinaux, parce qu'ils ne chauffent pas bien leurs poissons. D'accord, Ils ok. mangent des poissons qui sont transporteurs des larves de vers. Et Alors, donc, pour éviter donc sur une pâtée maison, en la faisant chauffer à du coup 90 degrés, en fait, on éviterait de transmettre ça, mais est-ce qu'on va pas trop perdre en valeur nutritive, en protéines, dans les crevettes, dans les moules? Est-ce que c'est intéressant du coup? ça, il faut savoir, ça dépend de l'origine et ça dépend du contenu de cet aliment-là. Ouais. Chacun a une différence de température pour éviter ça. D'accord, ok. Mais quand c'est chauffé, tu évites les risques, oui. D'accord, ok. Donc en gros, faudrait tout le temps faire chauffer la pâtée maison avant de la donner. Donc, ok, ça je savais pas du tout. Mais c'est super intéressant que tu nous le dises parce que j'étais pas du tout au courant et je pensais pas du tout. De plus, enfin, ne pas oublier les occlusions très fréquentes avec la pâtée par exemple. Ah oui, ouais, personnellement, dans mon cas, j'ai jamais eu d'occlusion avec de la pâtée. Mais ça peut peut-être arriver. J'avoue que j'ai pas eu de recul sur 10 ans non plus. Ça fait seulement 3 ans que je nourris à la pâtée. Mais ok. Donc du coup sur les ça t'a pris combien de temps avant de trouver une recette qui te plaisait? Parce que tu m'as parlé d'un petit truc tout à l'heure avant qu'on soit en live. L'aquarium que tu as derrière toi, c'est un aquarium avec des poissons qui restent. Attendez, je vais vous passer sur un autre plan comme ça, il pourra vous le montrer en même temps. Alors normalement j'ai préparé. Voilà, normalement là vous voyez que basse l'air. Et donc là sur l'aquarium que vous voyez, tu m'as dit que c'était que des poissons qui te restaient donc de ta serre. Donc à l'époque où tu avais encore ta serre, et j'ai l'impression que tes poissons, ils se portent bien, et pourtant ta serre, tu l'avais eu il y a des années. Ça fait combien de temps que tu as ces poissons-là? Et en fait, c'est des poissons qui sont... C'est quand même assez rigolo de se dire que c'est des poissons qui sont servis de poissons test pendant des années, et qui aujourd'hui se retrouvent là dans leur aquarium avec la nourriture finalisée. Et... Oui. Avec la... Il vient dans mon, comment dire, les dernières années, j'ai eu un laboratoire où je fais des tests avec des aliments et j'ai fait des tests aussi avec des médicaments, traitements pour aquarium Münster, des médicaments comme le hexamore, le faunamore. Dans ce temps-là, j'ai fait des tests pour eux. Et ce sont ces poissons-là qui, à la fin, peuvent survivre, c'est moi. J'ai aussi des cardalistes dedans qui sont 10 années. 10 Qui ont années. 10 C'est vraiment long pour des cardinalistes, c'est vraiment très très long. Il y a des dedans, des guppies, des bébés de guppies Ouais. platies, des crocerus et otocinclus, coridora. Un mélange de tout. Ouais. C'est pas un sélection spéciale. C'est justement le plaisir pour moi. Et ils reçoivent chez moi que le gamme Dr. Bassler Beer Fish Food, rien d'autre. Bah, Ils reçoivent d'autres. on voit que ça marche parce que franchement, en vue de la quantité de poissons que tu as, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça fait beaucoup, beaucoup. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir qui me dit j'ai autant de poissons dans mon aquarium, je me dis bah quand même fais attention, ça fait beaucoup. Mais toi, du coup, tu prouves bien l'inverse que ouais, Right. t'as une quantité de poissons, c'est incroyable. Il est un peu à manger maintenant, ça. C'est le medium, c'est le granulé un peu fin qui descend lentement. Tu vois, Medium, c'est le M du coup, taille M? M, voilà, c'est le M. C'est pour les guppies, platies, cardinalis, mais ça descend quand même. Et j'ai un granulé plus grand, c'est parfois la large. Et je peux descendre avec, je peux utiliser mes doigts quand même, comme je fais. Et ça descend pour les Corydoras, pour les Crocerus. Ouais, Alors, ok. mélanger différents granules pour aider le poisson à ce moment-là.
D'accord, donc tu fais en sorte de. Et tu dois. Et en termes C'est de. les gens, c'est de donner pas de trop. Oui. Parce que c'est l'erreur la plus grande dans les aquariophiles, parce que les gens pensent, oh, ils ont toujours faim les poissons, je dois les manger. Et ton fils donne à manger un peu, ton épouse, ah oui, les poissons ont faim. Et c'est la mortalité numéro un. Ouais. Les poissons. L'obésitas, ils reçoivent de trop à manger. Et je Ok. dis toujours, donner à manger 2 fois par jour, c'est le matin et les débuts de la soirée. Pas la fin, le début de la soirée et la montant qu'ils mangent dans 3-4 minutes, pas Ok, plus. d'accord. C'est un peu moins qu'un de peu de plus. Et par exemple, en termes de gamme, donc on va en revenir juste après, mais qu'est-ce que tu donnes comme gamme de granulés à tes poissons, vu que tu as plein de poissons différents? Ah oui, la gamme régulière. Le Ouais, régulier, c'est classique. tous les poissons. Ok. Après, on a par exemple, le crolella. Oui, là, Ce c'est. sont des, comme tu as montré tout à l'heure, Oui, c'est lequel là? il y a des algues naturelles dedans, des algues qui ont valeur nutritive pour les poissons qui aiment un peu plus de végétaux, comme le discus. Oui. Parce que les discus, dans certaines saisons, quand tu vois la recherche scientifique, dans certaines saisons, ils mangent plus de végétaux que de vers de vase ou des autres insectes. Plus de végétaux. Alors, ils sont presque des végétariens. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est C'est vrai. Et vrai. c'est pour ça que nous, dans les pâtés maison ou dans les types de granulés que je donne, par exemple, pour revenir sur le discus, donc ceux qui seraient intéressés, moi je donne du chlorella et du acai. À noter qu'il y a un truc exceptionnel qui s'est passé chez moi. Donc, genre, c'est une petite anecdote que je donne parce que c'est la première fois que ça m'était arrivé. Donc, j'avais eu des poissons. Donc, la deuxième semaine après que je commence à donner des granulés de mémoire, je commence donc à donner des granulés et tout se passe bien. Les poissons les acceptent tout de suite. C'était du chlorella que je donnais quasiment au début, que ça. Et en fait, j'ai eu une ponte d'un couple et ce couple-là était en traitement au sel parce que j'avais eu une lésion. Il y avait eu un combat et en fait, un poisson s'était abîmé. Donc, pour éviter que ça s'infecte, j'avais mis un traitement au sel à 5 grammes par litre. La ponte s'est effectuée sous ce grammage de sel, sachant que chez moi c'était assez rare que ça arrive. Et en plus de ça, sous ce grammage de sel-là, la ponte a été fécondée. À savoir que ça m'était jamais arrivé, avec n'importe quelle nourriture que je donnais, qu'avec un traitement au sel, une ponte soit fécondée. Et je suis quasiment certain que ça vient de la qualité nutritive des granulés, parce que j'assure que depuis que j'en ai eu, j'ai jamais eu une ponte fécondée avec du sel. Et là, il y avait 80% de la ponte qui était fécondée, alors que j'étais avec un traitement sous 5 grammes de sel par litre. C'est vraiment, enfin, c'est important quand même. Et donc, juste petite anecdote comme ça, mais moi je trouve vraiment que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai complètement adopté ces granulés et qu'aujourd'hui je voulais qu'on en parle un petit peu avec toi, Gérald, parce que c'est voilà, pour moi c'est une très très bonne gamme. Et donc, je donne du Acai en XL pour des adultes et du Chlorella avec en XL aussi. Alors, c'est pas Acai, c'est Açaí, je disais. Oui, c'est le nom portugais, c'est açaí, parce que c'est un fruit d'une palme, un palme, arbre de palme du Brésil. D'accord. Et pour raconter un peu l'histoire, comment j'ai trouvé à utiliser açaï et l'incorporer dans notre gamme BioFish Food, parce qu'il était un pêcheur qui amène ou qui attrape toujours des cardinalis, tétracardinalis, et des nez rouges en pleine couleur, mieux que tous les autres. Alors j'ai parlé avec le grossiste, l'exporteur qui reçoit ce poisson-là. Il dit, tu peux me donner le nom du pêcheur, je peux le rencontrer. Et je l'ai rencontré, et il m'a dit, c'est pas un secret, il dit, c'est la nature. Regardez où sont les arbres palmiers avec les fruits açaï. C'est les fruits qui tombent dans l'eau. Et c'est les poissons qui le cherchent eux-mêmes. Et j'ai vu que les poissons là-bas sont pleins de couleurs parce qu'ils adorent ces fruits-là. Ils adorent et ça donne une couleur supplémentaire naturelle aux poissons. Et c'est pour ça que tu peux faire ces essais-là. On a fait ces essais-là aussi avec nos poissons. Et ça donne, c'est comment dire, un stimulateur naturel pour les couleurs. Et c'est pour les poissons parfois qui ont eu des maladies, des poissons qui sont arrivés, qui ne sont pas bons couleurs pour leur aider. Et l'açaï, c'est plutôt utilisé par les éleveurs. Ok. Parce qu'on peut dire que c'est presque comme un Red Bull. Oui. L'açaï, les Brésiliens le mangent ça comme Red Bull.
Alors, je voudrais revenir sur le commentaire de Zunjichen. Salut Gab, j'ai une question pour Monsieur Bassler. Y a-t-il dans sa gamme de la nourriture pour poissons prédateurs comme des arowanas? Des arowanas. Est-ce Voilà. que t'as une nourriture? C'est un poisson exceptionnel. C'est difficile. Heureusement, un arowana peut manger des granulés parce qu'ils viennent manger de vos mains. Un arowana attrape de commencer de vos mains. C'est comme un koi, on peut dire. Oui. C'est un poisson très, très aimable, un arowana. Mais il mange le granulé aussi. Malheureusement, quand ça tombe au fond de l'aquarium, un arowana n'aime pas de toucher ça. Alors, les arowanas, parfois, on n'a pas une nourriture flottante. On n'a OK. pas ça. On n'a pas ça parce que la qualité pour préparer ça, c'est pas bien. Alors, l'arowana, c'est un poisson plus difficile, je suis honnête. En exception, avec nos granulés, on peut que le nourrir avec nos mains dans le doigt et il vient de le prendre parce qu'il le sense. Il le sense, certainement. Mais il ne va pas la prendre au fond de l'aquarium. Ouais, Et c'est ils ce que aiment je... bien les grands granulés. Bah, de toute façon, pour des arowanas adultes, je pense que même si la nourriture, enfin le granulé, ça peut être jouable, mais ça va être, je pense que c'est contraignant et que dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant de nourrir avec du poisson directement. On parle pas de guppy, de cardinalis ou de néon ou même de discus, on parle quand même d'un gros poisson et c'est vrai que nourrir avec du poisson directement congelé comme le font tous les éleveurs, peut-être plus simple aussi. Après, le granulé, si en flottant, oui, pourquoi pas, mais ça doit être plus complexe après. Il y a Oui, le peut-être. problème, c'est que ce granulé était très faible de qualité. On a Ouais. essayé. Bah oui, On c'est ça. a essayé. Non, mais c'est bien On a vu. des très grands, les 3XL. Ouais. Ce sont comme les tablettes. C'est comme les. On s'appelle ça, c'est différent. C'est pour les poissons au fond, naturellement. Hein. Ce sont des grands granulés. Mais c'est pour les grands poissons au fond de l'aquarium. C'est comme ça, oui. Bah, c'est bien de privilégier la qualité. Je pense que c'est quand même important de privilégier la qualité plus qu'à la quantité. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous voulez faire comme fonctionnement. Moi, je pense comme toi, Jérôme. Donc, par rapport à ma petite histoire, je pense que c'est la santé qui a été améliorée avec les granulés et donc qui a amélioré la fertilité. Je pense vraiment que c'est ça. Voilà. Et pour le açaï, est difficile à travailler. Je sais pas. Moi, personnellement, chez moi, ils ont pas eu de mal à manger les açaïs. Après, je pense que ça dépend un peu de, ouais, peut-être des appétences de base, des différents granulés que tu utilisais avant, peut-être, Jérôme, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème entre le chlorella. Après, c'est vrai qu'ils préfèrent quand même le chlorella. Plus que l'açaï, ils ont parce que le chlorella est un petit peu plus, il y a plus d'herbe dessus, donc je pense Oui, que oui. ça les aide, enfin, ils aiment un peu plus. Ce qui se passe souvent quand les poissons n'aiment pas à manger le granulé, c'est à cause qu'ils reçoivent plutôt le congelé ou le vivant. Ok. Les poissons sont comme les petits-enfants. Quand on donne aux enfants des saucisses et tout ça, ils ne veulent pas manger les végétaux. Oui. Ils ne veulent pas manger les carottes ou les légumes. Ils aiment mieux que le manger la saucisse. Et c'est la même chose avec nos poissons. Si tu vites, parfois les gens me demandent, Gérald, comment je peux adapter les poissons à la gamme Dr. Bassler Bio Fish Food? C'est leur donner que le Bio Fish Food et pas d'autres aliments. Un poisson qui est en bonne santé mange tout. Il mange des saucisses, il mange du salade, il mange tout. Quand ils ont faim, ils mangent tout. Pourquoi? La nature leur a établi comment ils peuvent adapter à la saison. Et les poissons dans la nature, ils sont des petits-enfants. Hein, Mais moi, franchement, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je nourrissais beaucoup à la pâtée maison avant. Et donc, pour les habitués granulés, au début, je me suis dit, ça va être, je vais avoir du mal parce que j'ai testé pas mal de granulés. Ça peut être du Royal Menu pour les gens qui font un peu d'excuses, du Dinnerlay ou autre. J'avais beaucoup de mal. Et depuis que j'ai testé, du coup, quand j'ai testé Dr. Bassler de Fish Food, ça a tout de suite fonctionné. Alors, c'est pas une blague, c'est pas pour être vendeur ou quoi que ce soit, hein, vraiment, mais j'insiste. Ça a tout de suite, la première fois que j'en ai donné. Donc pas sur tous quand même, mais surtout sur les jeunes poissons que j'avais, ils en ont tout de suite mangé. Alors ok, à leur rythme et moins que de la pâtée, hein, mais ça s'est très vite déclaré, alors que les autres granulés, par exemple, c'était les Royal Menu, où j'ai eu beaucoup de mal, et que les poissons n'acceptaient très souvent pas en fait les granulés. Alors du coup, c'est que je suis très content d'avoir à proposer ces granulés là, c'était très bien. Alors, il y a un truc, donc, je vois que le temps avance, et donc...
je voudrais revenir sur la photo que je t'avais envoyée, qu'on puisse en parler un petit peu. Alors, je vais vous l'afficher là. Mince, il faut que je la remonte juste au-dessus. Voilà, là, normalement, vous la voyez bien. Est-ce que tu la vois toi aussi, Gérald? La photo que je t'avais envoyée des granulés. Et tu la voyais comment? Je te l'ai envoyée sur Discord dans les messages. Normalement, si tu regardes les messages que je t'ai envoyés, elle devrait être dessus. Oui, sur les granulés enrobés avec le green. Ah oui, c'est ça, ça doit être le green, oui. Donc c'est une C'est variété pour les, c'est le green. pour les Et cyclidés. Alors, je... c'est la taille X, 3XL, c'est la grande taille, les grandes paillettes, les loricaridae, les pecoltia, les canticus, les grands poissons-chats du fond de l'aquarium. Ok, Ah donc oui, ces granulés-là. Oui, alors je le vois. on va en parler parce que au moins ces granulés-là, ils sont vraiment très caractéristiques et on voit bien plein de choses dessus qu'on va pouvoir parler. Donc tu disais que vous recevez une nourriture que vous faites produire et vous recevez des granulés classiques comme on pourrait avoir qu'on pourrait retrouver un peu partout. Par contre, vous rajoutez dessus donc des prébiotiques, probiotiques, prébiotiques, phytobiotiques. Et donc, tu pourras nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc là-dessus, vous les allez directement les rajouter sur ces granulés-là. Et du coup, ça leur donne un aspect. Jérôme, par exemple, qui est sur le live, pourra le confirmer. Ça donne un aspect tout de suite qui est vachement un petit peu humide et un peu texturé. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un granulé classique. Et ça leur donne cet aspect-là. Donc là, c'est une photo macro. Hein, c'est vraiment prise pour vraiment qu'on puisse bien voir le détail. Je suis désolé, normalement, il y avait plusieurs photos, mais on a retrouvé que celle-ci. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Comment tu pourras nous décomposer un petit peu ce qu'on voit? Okay. Ce qu'on fait chez nous en Belgique, on fait la production de couvrir, comment dire, enrobé, c'est le mot français, Oui, enrobé. les granulés avec des éléments nutritionnels très importants pour les poissons. Alors, ce qu'on met dessus, ce sont des probiotiques, le bactérie Pediococcus. Et D'accord. ce sont les bactéries qui sont très importantes pour l'intestin, pour la digestion de la nourriture et l'immunité, parce que l'intestin, c'est l'organe le plus important pour les poissons, pour l'immunité. Si D'accord. l'intestin est infecté avec des bactéries ou des parasites, le poisson devient sérieusement malade. Pourquoi? L'intestin est une défense très importante et en même temps, un organe très important. Parce que ça doit accumuler les nutriments importants, les protéines, les vitamines pour Oui, vivre. bien Et sûr. si ça ne fonctionne pas, parce que en Afrique et en Amazonie, le plus grand mortalité des gens, c'est à cause des problèmes de l'intestin. D'accord, ok, C'est le donc plus grand ouais, risque. c'est. Et c'est pour ça, chez nous, et après on fait le pédiococcus, après ici sur le granulé qu'on voit ici, on arrobe en même temps le choléra, Ouais. les algues et le moringa. D'accord, Le ok. moringa, ça vient de l'Asie. C'est des feuilles, des plantes qui sont mincées très 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 fin, et comme le choléra. Et c'est ça qu'on voit sur les granulés. On peut le toucher avec les mains. Après, tes doigts sont un peu verts, mais le chlorella et le moringa, c'est ça, les gens mangent aussi. D'accord. Parce que le moringa, ça s'appelle en Asie les feuilles de miracle. D'accord. Ils parlent de ça, donc solution pour chaque maladie. Alors, je voudrais relever du coup ce que vous venez de dire donc en commentaire pour les gens qui sont en train de parler. Oh, pardon. Jérôme et Ezekiel. Je sais pas si. Donc moi je pense que l'appétence va beaucoup jouer aussi avec comment dire, la composition du granulé, parce que là on voit du coup que là c'est le green qui est extrêmement chargé en enrobage et du coup ça doit vachement plus attirer je pense l'odeur comme le chlorella, et moi personnellement du coup ça marchait directement. Je pense que c'est parce que du coup je donnais une nourriture qui était très odorante et très goûtue directement. Peut-être que vu que Jérôme tu viens de dire juste avant que tu utilisais que du régular, peut-être que du coup c'est ça les attire peut-être un peu moins, il faut peut-être un peu plus de temps pour qu'ils s'habituent. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que tu penses que ça pourrait être ça, Gérald? Oui, certainement. Le chlorella, par exemple, une des granulées qui est plus attractive pour les poissons, c'est le garlic. D'accord. C'est le Biofistful, l'ail. Parce que les poissons adorent manger le garlic. Et parfois, je dis aux gens, essayez d'utiliser le garlic
quand ils veulent pas accepter un autre granulé, commencez avec l'ail. Ça, c'est quelque chose qui est très valable et très bien, contrôle bactérien, antiparasitaire pour les poissons. Parce que ça, c'est le but de nos aliments. C'est pour leur aider dans certains cas, certaines maladies. Ok. Et on a préparé sur notre site internet une feuille. C'est appliquer certains genres de Dr. Basler BFS Food pour résoudre certains problèmes. Ce que je vous Et ça veut propose, pas dire. Oui, ce que je oui. propose à tous les gens là, c'est que du coup, dans la description de la vidéo, juste après le live, je vous rajouterai les liens dont tu viens de nous parler pour que vous puissiez vous référencer, vous, en fonction de vos animaux, de ce que vous voulez, vers quelle nourriture il faut se tourner. Parce que, comme j'ai dit, les médicaments, ça tue les parasites ou les bactéries, mais ce sont les aliments nutritifs, comme par exemple l'ail, où on a aussi le matrine contre les points blancs. Le matrine, ça vient d'une plante avec les gens utilisent ça aussi en Sud-Amérique. Ça leur aide pour se protéger dans le mucus contre des infections parasitaires. Et pour D'accord. les poissons, le matrine reste dans les peaux, dans le mucus et dans les branchies. Et ça veut dire le point blanc ou le oedinium, le oedinose, n'aime pas à rester dedans. D'accord. C'est comme un répulsif mousquitaire. Le comparer, c'est la même chose. Mais ça tue pas, parce qu'on ne peut pas donner des médicaments dans nos aliments, c'est interdit. C'est une loi. On ne peut pas mettre. Mais quand même, l'ail ou le matrine, c'est un genre de nutricament, un médicament nutritif. D'accord, j'ai une question super intéressante que CyclidPace vient de poser par rapport au granulé. Est-ce que les probiotiques, pardon, qui sont lyophilisés, est-ce qu'ils se réveillent une fois dans l'intestin? Voilà. C'est comme ça, ils sont séchés, c'est comme des bactéries séchantes qui viennent en contact avec l'intestin, avec tout ça, avec l'eau, qui deviennent actives. C'est comme on utilise aussi pour les biofiltres, pour les bactéries, pour démarrer l'aquarium. C'est D'accord. le même genre d'idée, Donc en oui. fait, les bactéries pour démarrer un aquarium, donc ce qu'on appelle les bactéries vivantes, elles sont elles aussi souvent séchées. Et en gros, sous l'effet de l'humidité, donc le mélange des deux, ça va les réactiver. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on vend des bactéries vivantes. D'accord, ok. Et donc c'est pour ça que des fois, on voit que les bactéries vivantes ne fonctionnent pas, ou alors que ça te produit très peu de bactéries parce qu'il y a des problèmes dans le conditionnement. C'est important de quel genre, parce que par exemple, Aquarium Münster, ils ont des petits flacons qui s'appellent Bacto Sprint. D'accord. Et dans le top, il y a des bactéries séchées et il y a une solution spécifique dedans. Quand on ouvre ça, les bactéries tombent dans la solution et ils deviennent vivants. D'accord, ok. Et à ce moment-là, on peut l'ajouter dans le filtre. Et le filtre est démarré avec des bactéries vivantes. C'est pour ça que ça s'appelle Bacto Sprint. D'accord, et ça marche réellement en fait pour lancer un aquarium, ça marche bien. Est-ce que c'est et on va laisser combien de temps on a comme tourner après avoir mis ces bactéries? Parfois quelques jours, parfois directement, ça dépend de la biologie. On ne sait jamais exactement. D'accord. Parfois, dans un jour, on peut déjà ajouter des poissons. Parfois, c'est une semaine. Il faut tester. Il Oui. faut tester et vérifier toujours. Utiliser des tests simples. Ça coûte rien. Ça coûte plus cher de perdre les poissons. C'est clair. Alors, je vais juste aller changer ma batterie de caméra, car comme vous le savez, pour ceux qui sont là dans les autres lives, à chaque fois, ma caméra se coupe parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc, je change la batterie, je suis là dans quelques secondes. Alors, je suis désolé pour ce désagrément. Est-ce que
Là, normalement, hop, 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 ça marche, c'est parfait. C'est bon, on est reparti pour un tour. Alors, donc, il y a une question de Bruno dans les commentaires qui nous demande: Salut Gab, peux-tu demander à quoi le cavard est le plus destiné, s'il te plaît? Le cavard, c'est le haut de gamme. D'accord. Le haut de gamme en protéines et en valeur nutritive. Et le cavard était produit pour les poissons très, très spéciaux, on peut dire. Par exemple, c'est fait pour les bêtas. D'accord. Tous les gens qui adorent les bêtas, parfois les bêtas, ils sont très chers, ils coûtent 100 euros. Ce sont des poissons qu'il aime manger à la surface, et c'est un petit granulé qui a une valeur nutritive complète. C'est le plus cher, c'est pour ça l'emballage est très spécifique et on utilise ça aussi. J'ai vu chez les gens qui ont des nouveaux discus qui rentrent de l'Amazonie pour les adapter à un granulé. Ils commencent avec le cavard, parfois. C'est très cher, mais la valeur nutritive, c'est incroyable. Et ça, on a fait ça à cause de demandes des aquariophiles. J'ai besoin d'un petit supplément pour mes poissons, un beefsteak. Ouais, je comprends mieux. Quelque chose. Voilà, c'est un ajout Ouais. supplémentaire, oui, Donc haut c'est de gamme. vraiment c'est le granulé riche de la gamme. Alors, est-ce que c'est aussi antiparasite type vers intestinaux et branchiaux ou prévenir? Est-ce que donc du coup ça peut prévenir les vers des vers intestinaux, les parasites, ou est-ce que ça peut carrément les soigner? Soigner, c'est différent. Un médicament, quand même, doit tuer les parasites dans les branchies ou dans l'intestin quand ce sont des vers. Pour les vers des branchies, on propose d'utiliser le Dr. Bassler Bayer's Foot, l'ail, le garlic. Ok. Parce que ça va changer l'odeur, ou comment dire, les branchies, et les vers de branchies ne veulent plus être accrochés aux branchies à ce moment-là. D'accord. Pour l'intestin, les vers d'intestin, on aime mieux d'utiliser le grapefruit seed extract, le GSE. Et D'accord. parce que ce sont des pépins de grapefruit qui sont mincés et qui aidera d'expulser les vers, qui D'accord. aidera, tue pas. Alors que l'intestin n'est plus, comment dire, un organe agréable pour les vers, pour Ok. rester dedans. Ça changera un peu l'environnement des D'accord. intestins. Ok. Du coup, moi, il y a une autre question que je voulais avoir, parce que du coup, on en parle souvent, c'est par rapport à la conservation. Donc, tu nous as dit que la chaleur détériorait la qualité nutritive des granulés, mais au niveau de la conservation, à partir du moment où le pot est ouvert, comment ça se passe? Quel temps on peut préconiser? Et quelles sont les conséquences, par exemple? Quel pourcentage de granulés va être... Enfin, comment le granulé va se détériorer en fonction du temps? Comment on va se dire qu'il aura perdu 50% de sa valeur, etc.? D'abord, les granulés sont emballés dans des pots spécialisés pour garder la qualité. C'est plus cher, mais ce genre de pot, on peut stocker l'aliment dedans 3 années, Ouais, fermé. voilà, ok. Quand c'est ouvert, ça dépend de l'environnement. Quand c'est laissé ici, sous l'aquarium, c'est pas bien. C'est Ouais, trop chaud. C'est d'accord. trop chaud. Trop de lumière, trop chaud. Si on la garde dans le frigo bien fermé, tu peux le garder minimum une année. Ok. Une année. Mais quand tu vas dedans avec des doigts mouillés, tu vas polluer, tu vas détruire la qualité. Alors ça doit être tenir sèche, tenir hors de la soleil, hors le soleil. Pas trop chaud. Ok. 18 degrés, 20 degrés, pas problème. Pas problème. Pas nécessairement le frigo, mais bien fermé. Bien fermé. Ce qui va passer, la seule chose qui va lentement diminuer, c'est la valeur des vitamines. D'accord. La seule, on a fait des tests. Après une année, la valeur des vitamines est diminuée par 10%. Ah, donc ça va, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. On a fait des tests comme ça après un roulement de 2 années.
Parfois, je reçois des retours des granulés des gens qui, au contre-temps, alors je l'utilise pour mon aquarium, les gens, les poissons. Sauf ça dépend comment on fait le stockage. Tout ça. Ça, c'est important. Trop D'accord. chaud, trop d'humidité et trop de lumière, ça, c'est mauvais. D'accord, ok. Donc faut surtout pas mettre ses mains dans un pot avec les doigts mouillés, hein. C'est ce qu'il faut retenir. Oui. Alors, je vous propose que du coup, maintenant, on passe à une petite partie réponse aux questions. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a énormément de questions qui sont posées par rapport à la nourriture et même par rapport à tout le reste. Hein. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, que ça peut être par rapport aux études pour être ichtyologiste, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou des questions par rapport à la nourriture ou vos poissons, n'hésitez pas. Franchement, je pense qu'on n'aura pas tous les jours l'occasion d'avoir Gérald Bassler avec nous, hein, je précise. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va faire un petit moment, on va aller bah, jusqu'à faire 15-30 minutes de questions. Puis après, tranquillement, on se laissera. Et on s'arrêtera là. Alors, du coup, donc, Jérôme Duranto, pardon, excuse-moi, Jérôme, tu nous disais que tu mettais au frigo donc ta nourriture et que tu mettais un petit pot pour quelques jours. Et donc, c'est un bon moyen, parce que j'ai cru voir passer sur Facebook que tu avais un gros pot de Gérald de Bassler. Donc, je pense que tu dois le conserver et puis prendre dans un plus petit pot pour la nourriture. Alors, j'aurais une question. Donc, c'est Yann, c'est Fanatic Discus, c'est Yann qui nous dit ça. J'aurais une question. Gérald a-t-il observé qu'avec les problèmes d'ordre bactérien, le pH acide de l'eau inhibe le développement d'un bon nombre de bactéries pathogènes? Oui, c'est correct. D'accord. Ce pH-là, ça sélectionne une certaine variété de bactéries. Par exemple, le Colonaris. Mais l'avantage pour les eaux acides, c'est pour le tuberculose, le mycobactérium. Ces bactéries adorent les eaux acides. D'accord, ok. C'est pour ça le mycobactérium est plutôt chez les poissons, la pistogramma, les discus, les scalaires, c'est les poissons qui sont créés ou élevés dans les eaux très acides et très douces. D'accord. Alors, certaines bactéries sont favorisées par certains pH acidité. Ok. C'est correct. Et Mais un donc... grand groupe de bactéries n'aime pas les bactéries courantes, n'aiment pas les eaux acides. Correct, c'est Ok, donc en correct. fait, en fonction du pH où on est, des problèmes bactériens, on pourrait varier donc son pH pour se protéger ses poissons. Il y a deux questions tout à l'heure que j'ai vues qui étaient super intéressantes. C'était la première sur est-ce que avoir des poissons qui sont élevés, par exemple des guppies sauvages, qui sont élevés et sélectionnés depuis des dizaines d'années dans des eaux avec un pH plus élevé, est-ce que c'est intéressant de les repasser, même s'ils ont été sélectionnés dans des eaux comme leur biotope? Ou est-ce que dans ce cas-là, pour des poissons comme ceux-ci, c'est mieux de les garder dans des pH avec un pH plus élevé où ils ont été élevés depuis des dizaines d'années? Comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, quel est le mieux? La meilleure, c'est de leur tenir dans des eaux d'où ils viennent, le même pH ou dureté. Ok. Parce que quand même, tu peux les adapter dans des eaux avec moins de dureté, moins de minéraux, tout ça, une eau plus douce. Mais en général, génétiquement, un guppy, c'est plutôt un poisson saumâtre. Oui, bien sûr. D'origine. Oui, mais Alors, pour tout autre poisson. Tu vois, moi, je pourrais prendre aussi l'exemple des discus. Les discus sélectionnés, est-ce que les remettre dans des environnements comme leur biotope naturel, est-ce que c'est intéressant de le faire? pas C'est ce que tu penses? nécessairement, ça dépend. Quand ça vient d'un éleveur, D'accord. ça peut être dans de l'eau au robinet. Ouais, voilà. Ok. Certainement. Pas nécessairement, mais quand même, parfois les poissons vont établir plus de couleurs dans des eaux plus douces, plus acides. Donc ça pourrait venir aussi à une maintenance qui serait quand même peut-être plus favorable en revenant dans les qualités d'eau originelles. Oui. D'accord. Donc c'est quand même Et c'est c'est des... ça dépend un peu. Où les poissons sont élevés. D'accord. Quand on voit les poissons, par exemple, de Steinkjer de l'Allemagne, Ouais. le plus grand éleveur, c'est des poissons qui ne viennent pas des eaux très acides. Bah non. Des poissons qui viennent de l'eau, on peut dire un peu robinet, Oui. environ. Environ. Et ils se tiennent bien. Ils ont des couleurs bien. C'est différent qu'un poisson qui vient sauvage de Oui, bien sûr. l'Amazonie. Ah, bien sûr, un animal sauvage, on va pas le mettre à 8 de péage. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours, quand les gens veulent mélanger les discus, faites attention. Tu ne peux pas mélanger des discus de différents éleveurs ou de différentes sources. C'est mieux de garder et sélectionner les discus du même éleveur, du même origine
ou de même origine sauvage, parce qu'à ce moment-là, tu vas éviter des problèmes. Je comprends bien. Du coup, c'est... Ouais, d'accord, ok. Y a Raphaël qui nous demande, salut, tu conseilles plus les traitements au sel ou les traitements médicamenteux? Pardon, je viens de taper dans mon micro. Si oui, quel dosage et durée et pour quelle maladie? En ce qui concerne les traitements au sel, je suppose. Le sel, c'est un bon traitement au début, en quarantaine, quand tu vois pas trop de problèmes, quand tu penses, ah, peut-être il y a des vers de branchies dedans ou il y a peut-être des points blancs, quelque chose. Tu peux utiliser un dosage de 3 à 5 grammes sel marin par litre. D'accord. Par litre. Pendant 1 à 2 jours. Ça aidera à éliminer la grande quantité des parasites, peut-être un peu bactériens, mais normalement, ça tue pas. D'accord. Ça tue pas, mais quand même, ça peut aider avec quelques parasites qui tombent du poisson, qui sortent à la fond de la... Ils restent alors sur le fond de la... Ils sortent du poisson parce que ce qui se passe avec les parasites, quand ils sont dans des eaux pas favorisées pour eux, ils vont chercher d'autres environnements. Oui. Ils vont sortir du poisson. À ce moment-là, faites attention. Il faut siphonner bien l'aquarium, ça c'est bien. Et tu peux faire du sel, c'est mieux de le faire dans des bacs quarantaine. Alors tu peux survivre, tu peux changer l'eau si le poisson est trop stressé. Parce que ça dépend du poisson. Parfois les poissons réagissent mauvaises, ils sont trop stressés. Alors, il faut changer un peu d'eau, prendre des actions. Et c'est un bon air, mais ce n'est pas un traitement 100% quand les D'accord. poissons sont malades. Quand ces poissons sont malades, c'est peut-être bien de, en même temps, donner un médicament, en même temps, antiparasitaire et en même temps, du sel. D'accord. Ça peut complémenter le traitement. Par exemple, le bactérie columnaris, c'est le plus courant. Certainement, c'est les gens qui ont des vivipares, comme les guppies. C'est la blanchâtre, la bouche blanchâtre et la queue qui devient totalement blanche. Le columnaris déteste le sel, D'accord. mais pas les eaux saumâtres. Alors, tu peux vraiment éliminer une grande quantité de ce bactérie-là et la colonie des bactéries va diminuer à cause du sel. Alors, D'accord. certainement, c'est une aide très simple. C'est beaucoup pratiqué aux importations des poissons chez les grossistes D'accord. parce que ça coûte presque rien Oui, c'est clair. et bon préventive au moment de quarantaine. Oui, D'accord. c'est une bonne suggestion, une bonne question. Et donc, pour la suite de sa question, parce qu'il a reposé une autre question, sur les espèces originaires d'eau très douce, Parosromenus, bêta, du coup, ou Kili, enfin pour certains Kili évidemment, tu conseillerais toujours le sel ou pas? Tu peux le faire, mais ces poissons-là sont pas habitués au sel. Alors, il faut faire attention quand tu lises 3 grammes ou 5 grammes. Eux, peut-être, peuvent mieux faire avec 3 grammes qu'avec 5 grammes. Ça dépend aussi leur qualité, leur moment du stress. Quand ils ont eu un transport de 48 heures et après tu donnes le sel, ça peut être du stress supplémentaire. Ça dépend. Donc, vaut mieux C'est dans pour ce ça que quand cas-là. tu donnes le traitement du sel, restez avec vos poissons. Là, ils ont. Vérifiez vos poissons, comment ils réagissent. Et fais pas ça dans la soirée quand tu vas dormir. Non, D'accord. non, non, non. Il faut vraiment rester avec vos poissons et prendre le temps de le vérifier. Oui. D'accord, ok. Bah du coup, ouais, du coup, comme tu disais, parce qu'en soi, le sel peut être mortel pour eux, même à faible dosage pour interrogation. Bah du coup, tu viens d'y répondre, donc dans ce cas-là, le sel serait mieux de le mettre en petite quantité et de faire un petit traitement au sel, plutôt que de faire un traitement en 3-5 grammes, peut-être plus aux alentours des 3 grammes dans ce cas-là. Aussi, au niveau de la durée des traitements au sel, vu que du coup, ça va avoir pour répercussion, est-ce que tu penses que pour les ba bonnes bactéries d'un aquarium, 3 grammes de sel par litre, ça peut tuer les bonnes bactéries ou pas? Ça peut éliminer la croissance des bactéries et D'accord. diminuer. Et c'est pour ça, quand tu fais ça dans des bacs de commun, des bacs avec un biofiltre, ça peut donner un risque que votre filtre biologique va fonctionner moins bonne. À ce moment-là, donnez-moi à manger.
aléatoirement des risques de pollution d'ammonia, de nitrite. Si tu donnes un traitement avec du sel de 5 grammes, c'est mieux de couper le filtre biologique Ok. ou de sortir votre filtre biologique et le mettre dans un seau avec de l'oxygène ou même pas nécessairement, dans 20 degrés minimum, et justement laisser tourner l'eau et sortir le biofiltre, la mousse ou la boule, c'est pas que tu as, et de sortir ça. Alors tu peux garder la qualité de votre filtre biologique. Ok, donc en fait, dans ce cas de traitement au sel, il vaut peut-être mieux couper la pompe à partir de 5 grammes par litre, quoi. En dessous, ça peut aller, mais quand on commence à monter, il vaut mieux. Partir de 3-4 ans, ça peut commencer. Ça dépend l'origine des bactéries. Quand ils sont habitués de vivre dans des eaux très douces et très acides, Ouais. ces bactéries sont habituées aussi dans Oui, cet bien sûr. environnement. Bien sûr. Alors, pour eux, c'est aussi un traitement. Donc c'est vraiment du cas par cas, et donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui. D'accord. De ton Et... filtre biologique peut être éliminé pour un certain pourcentage, oui. J'avais entendu dire quelque chose par rapport à la bonne maintenance des animaux, enfin des poissons. S'ils sont en bonne santé, tu sais, tu parlais tout à l'heure de vouloir donner à manger. Quand ils viennent devant, tu te dis, ah, ils ont faim, je vais donner à manger. Mais ça veut dire quoi en fait, leur attitude quand ils vont venir devant l'aquarium, quand tu passes devant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la loi de Pavlov. Et c'est pas la loi de Pavlov, c'est comme quand tu ouvres ton frigo, ton chat ou ton chien va venir chercher son nourriture quand tu l'installes dedans. Moi, j'ai un chat par exemple, quand je dis le mot poulet, Ok. elle vient chez moi parce qu'elle reçoit le poulet qui est préparé. C'est Pavlov. Ça ne veut pas dire qu'ils ont faim, hein, mais ils sont habitués. Parce qu'il faut savoir, un poisson ou un animal est habitué de manger le maximum aujourd'hui. D'accord. Parce que l'animal ne sait pas qu'elle va recevoir demain quelque chose à manger. Ça, ils ne savent pas. Ils ont le pensée dans leur tête. C'est le cerveau reptile. Le cerveau reptile qui dit, ah, il faut manger aujourd'hui. Parce que demain, je ne sais pas qu'il y aurait quelque chose disponible pour moi. C'est la nature qui leur a génétiquement développé cette manière de survivre. Parce que dans la nature, aujourd'hui on mange, mais les prochains 5 jours, j'ai rien à manger. Oui. Je sais pas. Alors c'est prendre l'occasion. Et la loi de Pavlov, c'est quand tu passes ou quelqu'un passe, quand mes poissons, ils voient la main dans l'aquarium, ouais, ils viennent tous, ouais, aussi Ouais. chez moi. Ils viennent tous, ouais, c'est normal. Ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. Ça veut dire qu'ils veulent manger, mais ça veut pas dire qu'il faut les nourrir. Oui, voilà, c'est ça. C'est du coup, ça veut dire Voilà. qu'ils ont de l'instinct de base, donc c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé. Dans ce cas-là, si quand tu passes devant, ils viennent pas forcément, c'est-à-dire que potentiellement il y a un problème sous-jacent et donc que ça peut être pathogène, qu'il peut avoir une maladie, qu'il peut y avoir quelque chose, quoi. D'accord. Y a Raphaël qui nous, mais encore Raphaël, hein, la même personne qui nous demande. D'ailleurs, autre question, l'ammonium niveau toxicité, c'est comment par rapport à l'ammoniac? Chaque ammoniac, même petite dose, c'est toxique. D'accord. Et entre l'ammoniac et l'ammonium? Parce que je crois que c'est l'ammonium qui doit être avec un pH plus bas et l'ammoniaque avec un pH plus haut, de mémoire. Oui, ça changera dépendant le pH. Oui, c'est Oui, ça. ça changera. Ça changera. Oui, ça changera à cause du pH. Et ça peut être un risque quand on donne du sel dedans, quand ça peut devenir plus toxique. D'accord, Ça, ok, c'est donc. le risque. Si les gens qui ont des poissons marins, alors l'ammoniaque est plus grave, plus sérieux comme toxique. Ok. Ça, c'est le problème quand les gens des poissons dans des eaux acides, un pH de 4 ou 5, ils font un changement d'eau, ça devient 6 par exemple ou 7. Mais quand il y a de l'ammonium dedans, ça devient de l'ammoniaque, ça devient toxique. D'accord, ok, donc en fait Direct. faut bien faire attention. Ok. Parce que Oui, l'ammonium oui. n'est pas toxique, du coup? Oui. Ok, donc c'est pas. C'est l'ammonium, l'ammoniaque, ça changera, oui. Oui, d'accord. C'est je dis toujours, fais ton test. Fais Ok. ton test. Fais Ok. ton test de l'eau. Alors, Hilaire Jérémy qui nous demande Salut Gab, j'ai 100 mg de nitrate dans mon aquarium, je fais beaucoup de changements d'eau, mais ça reste toujours à 100 mg. Comment je peux me faire pour m'en débarrasser? C'est des nitrates. Quelle est la valeur nitrate dans l'eau robinet qu'il utilise? Oui, ça se trouve, c'est tout simplement ton eau du robinet ou l'eau que tu utilises pour mettre... Oui.
100 grammes, c'est pas très mauvais, honnêtement. Ça peut être risquant pour certains poissons qui n'ont jamais vu de nitrate. Quand tu achètes un nouveau poisson qui n'ont jamais vu de nitrate, ça peut être très haut pour eux, pour accepter ça. Mais normalement, les poissons peuvent accepter 100 mg. Normalement, quand ils sont habitués, chaque jour, ceux qui restent, sauf les nouveaux poissons, pour eux, ça peut être un problème quand ils viennent d'un aquarium avec 10 milligrammes de 10 ppm Ouais, mais de. attention quand même, parce que juste pour te compléter, sur les discus, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui en ont, 100 mg, ça fait vraiment beaucoup, et surtout ça va ralentir la croissance très 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 fortement, voire même la bloquer. Donc voilà, juste faites bien attention à ça. Oui, ça dépend de variété de poisson aussi, Oui, bien bien. sûr. Tu dis ça, Gabriel. Certains poissons n'acceptent pas 100 mg. C'est Bah, pour les discus, c'est un peu quand même. Ah bah, les discus hybrides, encore une fois, ça peut peut-être être un peu changé, mais. Voilà, c'est quand même élevé. Et peut-être que même là, comme dit Raphaël juste après, peut-être que c'est les tests qui sont pas bons. Peut-être que tout simplement, ouais, ce sont tes tests. Après, si t'as 100 mg de nitrate, c'est que tu fais pas suffisamment de changements d'eau dans ce cas-là. Parce que les changements d'eau, si tu fais 50%, que t'as 100 mg et que ton eau est à 10, tu vas monter à 5, tu vas descendre à 55, tu vois. Normalement, voilà. Donc si ton eau, enfin si t'es tout le temps haut, c'est qu'à mon avis, ça doit être un problème au niveau de Ça ton passe eau. souvent chez les gens qui ont de l'eau robinet ou de l'eau de pluie dans des régions agriculture où ils utilisent beaucoup de nitrate. D'accord. Ah ouais. De nutrients, ça. Et certaines régions, alors je connais des aquariophiles qui cherchent leurs eaux chez leur famille dans des autres genres de l'eau robinet. D'accord. Il faut Ok. pas chercher une autre source de l'eau robinet et ça va être mieux, oui. D'accord. Donc en fait, ça pourrait être okay, des régions polluées en ce cas-là. Alors, Rerios qui nous dit bonjour, en 1970, mon premier aquarium avait un fond en métal et les quatre glaces maintenues par du plastique vitrier. J'ai sacrifié des poissons qui étaient malades. Alors, je comprends pas trop, c'était pas une. Mon premier aquarium avait un fond en métal et les quatre glaces maintenues par un mastic de vitrier. J'ai sacrifié des poissons qui étaient malades. Je pense que du coup, je pense que ça devait pas marcher, parce que si t'avais pris un mastic. Avec une plaque en métal, ça peut être peut-être un peu toxique. Je sais pas. Je suis désolé là, j'ai pas trop compris si c'était une question. Oui, c'est peut-être le métaux qui a fait de l'eau, trop de ferro dans l'eau. C'est pas que c'est comme ça. Oh, Ah, ils vont dormir, les poissons. Vous voyez? C'est leur temps de. c'est la nuit, c'est l'heure où il faut aller se coucher. Restez debout, mes poissons. Restez, restez. Alors, Yann Besançon qui nous dit: Bonjour à tous, le docteur pense-t-il que la spiruline peut avoir un lien avec l'apparition de cyano de plus en plus fréquente dans nos bacs? C'est quoi le cello? La cyanobactérie. Cello, je ne connais pas. Cyanobactérie. Ah, cyanobactéries. Oui, excuse-moi, Ah, c'est, je parle vite, je suis désolé, tu me l'avais déjà dit, faut que je parle plus lentement. oui, non. Possible, c'est possible. Mais cyanobactéries, il y a aussi d'autres valeurs indicatives. Ça peut être partiellement spiruline, oui. Peut-être, mais pas D'accord. toujours 100%. Ok, donc en fait, donner de la spiruline, ça pourrait apporter de la cyanobactérie potentiellement. Mais normalement, le spiruline, c'est spiruline dans la nourriture, hein, Oui. qui veut dire. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Oui, ça c'est le problème avec le spiruline. Quand les poissons mangent de trop, il a trop d'excréments verts avec du Ok. spiruline. Quand tu essaies le chlorella, Ok. qui est 10 fois plus de valeur que de spiruline, tu vois rien de vert excrément, rien dedans. Tu vois? Tu l'as vu? Oui, Tu as testé. moi j'ai pas d'excrément vert hein, avec la chlorella. Ça, c'est le problème avec le spiruline. D'accord. Je propose de changer ton aliment sur le chlorella et pas le spiruline. C'est pour ça, moi, j'ai évité le spiruline dans ma serre aquatique parce que ça donne trop de pollution. Parce que D'accord. c'est pas bien tous digesti par les poissons. D'accord, ok. Ah, super intéressant. Donc en fait, du coup, l'apparition de cyano pourrait être liée à la spiruline qu'on donnerait en trop grande quantité. C'est super intéressant. Alors, Droxjoy qui nous dit Salut, j'ai eu un pic de nitrate et pour les faire baisser, j'ai dû vider un peu d'eau. 2%. J'ai bien réagi. Alors, je pense que tu nous as. Je pense pas que c'était 2%. Je pense que c'était un peu plus que ça. Remets ton message, Drox. On va réagir après. On va en parler après. Je pense que tu t'es trompé dans ce que tu m'as dit.
Alors, Manu Sola qui nous dit, je crois qu'en France, l'eau du robinet peut pas contenir plus de 50 mg de nitrate, sinon c'est dangereux pour l'homme. Alors oui, ça c'est vrai. Le problème c'est que ça va dépendre des contrôles. Est-ce que les contrôles sanitaires de l'eau de sa commune ont été faits il y a pas longtemps? Ou est-ce que les contrôles ont été faits il y a longtemps? Parce que si ça a été fait il y a longtemps, que c'est dans une région agricole, qu'il y a plus de personnes, de paysans qui utilisent des nitrates, il y en aura plus dans l'eau. Bref, c'est toujours... Oui, mais certaines eaux du robinet sont certaines fois pas bonnes, hein, malgré les contrôles qui sont... Et parfois, ça changera par saison. Hein. Bah oui, bien sûr. Ça changera dans l'été ou l'hiver. C'est un différent type d'eau que tu peux recevoir. Ça dépend de l'agriculture, ça dépend de la pluie. Combien de pluie il y en a, ça a beaucoup de problèmes. Et ce qu'ils disent, le 50 mg, c'est une valeur moyenne. C'est une valeur moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. D'accord. Ok. Alors, Raphaël qui nous dit, sinon, on regarde sur l'un des sites gouvernementaux. Ah non, ok, pardon, excuse-moi, tu réagissais par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, Nicolas Froment, bonjour, merci de tant de richesses aquariophiles. Je démarre le Malawi. Pouvez-vous m'en dire plus sur le blowout? Ah oui, ça dépend l'aliment qu'il donne. Et ça vient plutôt le bloat. J'ai une vidéo de ce sujet-là, le bloat, sur mon YouTube. Ça vient plutôt d'origine à donner à manger de congelé. D'accord. Certains types de congelé qui a trop de microbes dedans. D'accord. Évitez le congelé, essayez de trouver une autre source, peut-être d'autres qualités, mais le Malawi, le poisson Malawi, survivent très très bien sur le granulé, très bien. Ils n'ont pas besoin d'un autre truc, rien du tout. C'est plutôt le bloat, c'est plutôt bactérien à cause de problèmes nutritifs. D'accord, ok. Alors, Drox nous a re-répondu, il nous a dit, j'ai fait un petit changement d'eau de 2% environ sans rajouter d'eau. Alors, du coup, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans ton message. Tu as dit que tu avais fait un changement d'eau sans rajouter d'eau. Donc, déjà, c'est pas un changement d'eau, tu as juste enlevé de l'eau. Donc, tu n'as pas pu changer la concentration de nitrate que tu avais dans ton aquarium. De plus, 2% de ton aquarium, c'est ridicule. C'est très très peu comme litrage. C'est correct. Faut que tu fasses beaucoup plus de changements d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que tu enlèves peut-être 30, 50% pour un gros pic de nitrate et que tu remettes 30, 50%. Si tu n'en remets pas d'eau, ça ne changera pas. Voilà. Voilà. Je pense que. Ça doit être un changement d'eau, pas un ajout d'eau. Oui, c'est ça. Alors, Geoffrey Torel qui nous dit, bonjour, pour les données sur l'eau des réseaux publics, la mairie doit effectuer des contrôles et les afficher à la mairie. Il y a, selon les préfectures, surtout agricoles, un contrôle max par trimestre. Donc peut-être que l'eau n'est... Enfin voilà, ça va dépendre pour revenir au cas des 100 mg par litre. Il faudrait que tu te renseignes au niveau de ta mairie, du coup, pour voir les analyses que tu as. Les analyses sont une image, alors le mieux reste vos analyses et contrôles. Ah oui, d'accord, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, là, les analyses sont faites, comme tu disais tout à l'heure, Gérald, c'est une moyenne qui est faite sur la région, sur la mairie. Enfin, sur la commune. Et puis après, la moyenne donne une moyenne de nitrate. Donc si c'est en dessous de 50, c'est bon. Bref, voilà. Du coup, ça se trouve, c'est à 100. À 100, voilà. Voilà. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas là. On n'a plus de questions pour l'instant. Si vous voulez reposer quelques questions, on va rester ensemble jusqu'à 18h, si ça ne te dérange pas, Gérald. Et puis après, on s'arrêtera là. Ça nous fera déjà 2 heures de live ensemble. C'est super intéressant. En tout cas, franchement, merci Gérald. J'espère qu'on pourra se revoir aussi, qu'on pourra faire quelque chose peut-être en physique, tant qu'à faire, ensemble pour en apprendre plus. Parce qu'aujourd'hui, t'es une mine d'informations. Et en plus de ça, t'acceptes de la partager parce que beaucoup, malheureusement, n'acceptent pas forcément. Et donc, accepter de partager tant de connaissances, c'est vraiment génial. Et ça a été c'est un plaisir de t'accueillir et de pouvoir te recevoir, franchement. Pour Un tous grand ceux qui. plaisir. Merci. La rediff sera là, sera après le live, hein, pour ceux qui se posent la question. Et aussi, pour les granulés, donc ceux qui en voudraient, il y en a sur. Il y a de cela quelques mois, on s'était fixé donc avec Gérald pour que je puisse distribuer de la nourriture sur ma boutique, parce que c'est la nourriture que j'utilise depuis longtemps, donc sur Aquabiotop, que j'utilise pour mes poissons. Et du coup, j'ai l'honneur de vous dire que sur la boutique, vous pourrez retrouver certains types de nourriture. Aujourd'hui, la boutique n'a pas suffisamment de fonds pour fournir tous les types de granulés. Donc, on n'a que quelques types. On a les régulars, les chlorella, les açaï, les cavards, les shrimps et les baby food pour les tout petits, pour les bébés. Donc, voilà, on a juste ces gammes-là sur la boutique en ce moment. Mais voilà. Alors, merci à vous. C'était très instructif. Merci à toi, Loïc, d'avoir été là. Merci, merci.
Alors, Aquadiscus qui dit, c'est clair que tu speed Gab, mais à force, je m'y fais, même si parfois je reviens en arrière pour comprendre certains mots ou noms que tu prononces, mais tu gères de mieux en mieux. Ouais, j'essaie de calmer un peu mon rythme de parole, mais c'est vrai que souvent j'ai tendance à partir un peu trop vite et à parler trop vite, et on me le dit souvent, malheureusement. Il faudrait que j'arrive à m'habituer à parler plus lentement, plus lentement. Bon, bah si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là tranquillement. Hein? En tout cas, on va s'arrêter là. C'était un plaisir, je me répète, mais c'est réel et c'est le cas. Un honneur de pouvoir t'accueillir et que tu as accepté de faire cette interview. Je vous mets tous en avant, donc d'aller voir la chaîne YouTube de Gérald. Il traduit en plein de langues différentes, donc les vidéos qu'il produit. Il y en aura une qui va produire. C'est quand la prochaine vidéo que tu allais poster? Dans la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour, ça dépend. Mais j'ai une playlist en YouTube qui est en français. Il sera mis sur ce playlist-là. Et celui-là qui sont accrochés à ma chaîne vont automatiquement recevoir le message qu'il y a un nouveau Ok. vidéo publié. Alors, je fais environ un à deux par mois. Alors. Je vais vous mettre donc en description, je vous mettrai les propriétés. Donc, comme tu viens de le dire, Ezekiel, je vais vous mettre les propriétés de tous les granulés, comme je vous avais dit. Donc, la page sur le site. Je vais vous mettre le site de Basler pour trouver le livre. Je vais vous mettre la chaîne YouTube de Gérald pour que vous puissiez avoir toutes les informations que vous voulez. Et puis, je pense qu'on va se laisser là. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Ah, pardon, Aqua YouTube qui nous dit, faut-il se rapprocher de l'eau du biotope si les poissons sont élevés en eau du robinet? Alors, on y a répondu tout à l'heure, Aqua YouTube. Si par exemple, tu prends des Discus hybrides qui sont sélectionnés depuis très longtemps, le mieux c'est de se calquer sur le fournisseur, les paramètres, et donc le pH et la dureté de l'eau du fournisseur, plutôt que de voilà, plutôt qu'à aller dans les paramètres du biotope. Aussi, les paramètres du biotope peuvent être intéressants, dans le cas par exemple des discus, où ça va souvent renforcer les couleurs, de retourner sur des pH plus bas. Voilà, c'est du cas par cas, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, il y a encore une question. Bon, on s'arrêtera sur la question de Shark. Bonjour, les changements d'eau, faut-il quand même faire les changements d'eau si nos paramètres sont bons? Je m'aperçois que depuis que je fais moins de changements d'eau, mes paramètres sont plus stables. Ah oui, alors je comprends ce que tu veux dire, surtout par rapport à la quantité de nitrate, je suppose. Est-ce que c'est utile de faire des changements d'eau si t'as pas de nitrate dans ton aquarium? Ça dépend du genre de poisson parce que on peut que tester certaines variétés de paramètres. Ce qui est important que je trouve toujours, c'est siphonner le fond de l'aquarium, éliminer des microbes qui ne sont pas nécessaires d'être là, parce qu'on va aussi éliminer des protéines excessives dans l'eau, des autres microbes, tu vas prévenir des problèmes. Il y a des gens qui disent, non, j'ai jamais besoin de changer l'eau. C'est possible. Mon aquarium, je fais 3 vers 4 fois par an. D'accord. 25%. Pas plus. Mais je ne donne pas de trop à manger. Si tu donnes plus à manger, il faut plus changer, encore plus changer l'eau. Ça dépend tous de votre filtre biologique. Quand il est plus grand, moi j'ai un très grand filtre biologique derrière la décoration, D'accord. et ça, c'est mon assistant de changement d'eau. Ouais, je comprends bien, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que souvent quand on voit qu'on n'a pas de nitrate, est-ce que c'est utile de faire des changements d'eau? Mais du coup, ça dépend vraiment quoi, pour certaines Dépend de personnes. votre expérience. Parfois c'est 3 fois par an, c'est parfois chaque mois, ça dépend de vos poissons. Il faut faire des tests d'eau. C'est mieux de faire un peu plus de changement d'eau qu'un peu par mois. Oui, c'est Et clair, c'est ça, clair. tu peux voir au comportement du poisson. Mais bien Quand il sûr. se comporte bien, il Ouais. mange bien, l'eau est bien. Voilà. Là, on parle vraiment dans le cas où, par exemple, pour parler de nitrates, clairement, les nitrates n'explosent pas. Parce que dans certains aquariums, il y a trop de population, les nitrates vont très très vite monter, ça va jamais s'arrêter et ça va faire que de s'accumuler. Mais là, dans un aquarium comme celui de Gérald, où je suppose que tes nitrates se stabilisent, tu fais des changements d'eau, pas pour la concentration de nitrates, mais pour simplement rajouter de la nouvelle eau, quoi. C'est tout. C'est. Oui, Oui. et en même temps, on diminuera la pollution que ne peut pas mesurer, parce qu'on mesure que 5 composants. Oui, c'est clair. Mais il y a beaucoup plus de composants dedans qu'on ne peut pas mesurer. On doit l'envoyer chez un laboratoire, mais ça coûte de l'argent, ça Oui, coûte du temps, on ne peut pas, ça c'est on ne clair. fait pas. On peut faire,
Mais c'est mieux. Moi, quand je fais un changement d'eau, je fais un bon siphonnage du fond. Ça, c'est important. Et en même temps, je fais le nettoyage du filtre dans l'eau de l'aquarium, Oui, évidemment. dans un seau avec de l'eau de l'aquarium, et je réinstalle. Alors, c'est pour la prévention des problèmes. Il ne faut pas attendre quand le Oui. nitrate est trop haut. Il faut préférer la prévention. C'est clair. Oui. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut toujours mieux prévenir que guérir, comme on dit. Il y a Hilaire Jérémy qui nous pose une question. Et là, ça va être un diagnostic. Donc, on va s'arrêter là parce que je pense que là, ça peut vraiment t'aider. Mais après, on va s'arrêter. Gab, j'ai un de mes néons bleus qui a une boule blanche sur la bouche. C'est quoi comme maladie, mais il continue à manger? Une boule blanche sur la bouche, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être différent, je ne sais pas. Il faut voir le. Je dois voir la photo. Bon bah est-ce qu'il peut t'envoyer une photo sur Messenger peut-être? Bon Oui. bah Jérémy, si tu peux le contacter par Messenger, donc par Facebook, et puis lui envoyer une petite photo pour qu'il puisse te répondre. Bon en tout cas, merci Gérald d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir regardé le live jusqu'à la fin. On a été en moyenne 50 à peu près, enfin entre 40 et 50 à être tous ensemble en direct, donc c'était génial. Je vous remercie. On se retrouve pour une autre vidéo sur YouTube, sur Gabakwa, vendredi prochain, et chez Gérald, du coup, dans la semaine prochaine, sur son YouTube. Je vous mets le lien en description, je vous mets toutes les infos en description. Salut, c'était Gab et Gérald, à la prochaine. Un grand merci et j'espère que ça aidera beaucoup d'aquariophiles. Un grand merci. Au revoir. Bye bye.